Request. Salut. Bonjour. Eh bien, on va essayer en cette fin d'après-midi. Il est 17h05 le 17 avril 2022. On va essayer, ma secrétaire secondaire et moi-même, de vous présenter un travail qui, je dois l'admettre, aurait demandé un peu plus d'acuité de ma part que celle dont je dispose actuellement. Mais néanmoins, vous savez, c'est toujours quand on pense qu'on ne va plus pouvoir faire quoi que ce soit qu'on vous en demande le plus. Qui c'est qui m'en demande le plus? Je ne sais pas, hein, l'univers. Pour qui me branche, hein, n'est-ce pas? Oui, on sait. Ouais. Alors, je partage mon écran parce que ça suffit le selfie, là, avec ma tronche allumée. Ouais, j'ai une tronche allumée, je ne suis pas tout à fait à jeun non plus, mais je ne suis pas totalement allumé non plus. Hein. Alors, vous savez, c'est dimanche. Pareil qu'on est en vacances, hein, d'ailleurs, c'est peut-être Pâques. Donc, dimanche de Pâques, donc demain, lundi de Pâques. Hein. Manière de faire un sacré aqueduc, si on voulait. Si on pouvait. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Je partage mon écran et je vous emmène sur ce que j'étais en train de regarder qui m'a appelé. Ça m'a appelé. Ça fait deux fois, voire plus. Enfin, deux fois là, cette année, ce mois-ci, cette semaine-ci, que je l'écoute, et ben, il me semble que quand même, c'est des infos qui... semblent nécessaires pour la construction d'éléments pour une base de spiritualité que je vous laisserai déterminer vous-même par vous-même. Hein. Pas gourou, 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 pas gourou. Ici. Il n'y a qu'un seul gourou, c'est le gourou, gourou. Il est des lots. Ah, bien. Alors donc, je partage. Et je vous amène sur mon écran sur lequel vous allez voir s'afficher enfin, prochainement, hein, parce que je ne vous explique pas. J'ai vraiment un ordi qui tourne au diesel et là j'ai mis de l'huile de friture sans la filtrer auparavant, quoi, a priori. Hein, j'ai cliqué là, c'est donc depuis que j'ai commencé à en parler. Je vais recliquer, hein, on ne sait jamais. Ben, voilà. Ben voilà, il suffit d'attendre. Donc, c'est un. Ah oui, c'est une vidéo qui va vraiment. Ça va attirer du monde de partout, ça. Hein. Je fais le putaclic là. Non, je ne fais pas le putaclic. Je me serais maquillé si j'avais fait le putaclic. Voilà, bon, vous voyez, je suis comme d'habitude. Alors, juste, je rigole autant que c'était le matin, alors que ce n'est pas le matin. Quoi. Bon, en fait, ça me fait plaisir de vous parler. Hein, quelque part, je dois l'admettre. Alors, voilà, je suis tombé en cours de cette vidéo sur ce passage-là explicatif qui parle donc de Bloodlines of the Illuminati. Donc, les lignées sanguines, les lignées familiales génétiques, hein, on parle de là, hein, les Illuminati. Alors, bon, si je vous dis ça juste comme ça, alors qu'on en est déjà à la 25e minute de cette vidéo, qui en dure 32, ce qui fait que je vais en faire sûrement une vidéo qui va durer à peu près une heure, hein, je pense, surtout déjà avec un encart qui dure 10 minutes. Alors, on reprend du début. Ah oui, là, on a peur de rien et on y va. Donc, on est chez Aya Shanadin qui faisait des séances, des ateliers, des conférences, on va dire, mais des conférences en cercle privé, ou plus ou moins. Je ne sais pas si c'était payant ou pas. Hein. Possible que ce fût payant à l'époque, parce que ça date, ça. Je crois que ça date des années 2003. Donc, c'est elle, là, elle et Aya
Et Arayas, ça me dit quelque chose, Arayas. J'avais une série sur les dragons, les dragons subtils, hein, qui parlait, enfin, qui était édité par un Arayas aussi. Ouais. Bon. Donc, c'est du matériel qui lui provient depuis les gardiens. Achayanadine, c'est une personne, une humaine, là, qui a subi certaines initiations par des chamans et anciens amérindiens qui étaient en relation avec les gardiens, la race des gardiens. Je peux pas vous dire que c'est vraiment les mêmes que les traces archéologiques qui ont été retrouvées dans le canyon du Colorado, qui ont été séquestrées finalement par la CIAO, une organisation issue du NRO. Le NRO, c'est au-dessus de la NSA, en fait. Le NRO, c'est le National Reconnaissance Office américain. Et c'est tout ce qui traite les ETs, les ovnis, mais pas qu'uniquement sur Terre, en fait. Et bon, alors ces gens-là ont des men in black de leur genre qui séquestrent tous les matériaux aussi. Néanmoins, de temps en temps, on a soit des whistleblowers. Whistleblower, ça signifie lanceur d'alerte, lanceur de sifflet. Planquer tout, ils arrivent. Ils ont des whistleblowers ou des anciens des services, ou il y a d'autres sources qui sont elles-mêmes aussi reliées, et là, par exemple, au matériel des gardiens. Allons-y. Et donc, Achayanadine a subi ces initiations qui lui ont permis de maîtriser d'une manière assez spectaculaire quand même un stock hallucinant d'informations sur la cosmogénèse de l'humanité. Eh oui. Et si j'ai intitulé, ou je vais sûrement l'intituler, cette vidéo Antichrist et compagnie, c'est parce que ça n'a rien à voir avec Antéchrist, hein? Et qu'il faudrait quelque part que, bon, la signification des mots leur revienne. Au-delà de toutes les transformations de tous ces mots, ces noms, par le Conseil de Nicée ou d'autres structures religieuses qui n'ont été bâties que par une espèce, une division, une subdivision de subdivision de subdivision d'entités qui se particulièrement actuellement et depuis des milliers d'années d'ailleurs, de la Terre et de l'humanité. Pas dans le bon sens, hein, vu l'état de la planète. Hein. C'est clair que ça ne va pas dans le bon sens. Par contre, eux, avec leur doctrine, là, du style, nous sommes trop nombreux, vous ne valez rien, etc., vous polluez, voilà. Eux, sont issus aussi d'une des branches de cette cosmogénèse générale qui entoure l'histoire de l'humanité. Je pense que voilà, c'est quelques informations qui risquent de foutre le souk dans vos conceptions religieuses et spirituelles. Et néanmoins, me semble nécessaire. Me semble nécessaire. Donc, Antichrist, et oui, et c'est écrit un K, Christ, hein. Krist. On connaît, j'ai une source qui parle des Christils, de Dor Christil, une incarnation de Jésus, de Yeshua. Je ne sais pas si c'est le Yeshua 9, le Yeshua 12. Ou un autre, là, il y a un troisième personnage. Donc, globalement, les histoires des trois ont été mixées pour nous sortir la daube sur Jésus-Christ. Reprise par la
les religions. Alors, il y en a une qu'elle considère carrément comme méritant de bouillir dans un chaudron d'excréments. Bien, alors, cette version-là vient d'une des branches qui ne nous aime pas, hein, c'est clair. Ça, c'est clair. Et sinon, parmi les deux autres, eh bien, ça se définira au fur et à mesure des vidéos si je vous les traduis ou de vos recherches si vous les faites. C'est assez intéressant, c'était quand même deux personnages génétiquement programmés pour amener à notre période actuelle, depuis 2000 ans, quoi, des éléments qui allaient contrecarrer, des éléments mentaux en tout cas, des éléments, des données, hein, peut-être un petit peu génétiquement aussi, mais enfin, il faut voir, des éléments qui allaient contrecarrer l'impact négatif, des méchants. Des méchants dont sont issus les Illuminati. Hein, mais quand je dis méchants, pour eux, c'est des gentils, eux. Hein, vous savez. Hein. Le chat, quand il martyrise sa souris, là, il va vous dire, ouais, ben, cette souris, elle vous bouffe tout. Donc, je suis un héros. Pourtant, il la martyrise, il en tire l'adénochrome, hein, quelque part. En plus, il a des pupilles assez reptiliennes. Et c'est quasiment une des seules espèces qui fait un petit peu souffrir sa proie avant de la bouffer. Partiellement, d'ailleurs, très souvent, vous avez remarqué. Hein. Qu'est-ce qu'il bouffe de cette proie, finalement? Peut-être qu'ils en ont sucé tout le sang, je ne sais pas. Mais ils en bouffent très peu. Très souvent, ils en bouffent très peu. Ils en bouffent juste peut-être les glandes endocrines. Je ne sais pas. Hein. J'essaie juste de. En plus, là, maintenant, là, tout de suite, de faire un. D'en tirer structure mentale de réflexion, quoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Comment ça se fait qu'il ait des pupilles comme ça, alors que le tigre, dont il est censé être issu, je parle du chat, n'a pas les pupilles verticales de serpent. Hein, alors, cette hybridation reptilienne, hein, tout ça, tout ça, tout ça, pourquoi pas, hein. Et oui, pourquoi pas. Alors, donc, on y va, hein, accrochez-vous, hein, parce que je vais essayer de faire de mon mieux. Mais même le matin, ça n'aurait pas été beaucoup mieux, hein, comme traduction, là. Je vais risquer de défaillir ou d'être un peu mou au bout d'un moment, hein, parce que donc, c'est ardu, d'une part. Et d'autre part, je ne suis pas dans les meilleures prédispositions, mais ce n'est pas forcément quand on est dans les meilleures prédispositions qu'on fournit le meilleur travail. Espérons que j'y arrive. Ah, d'autant plus que j'ai l'aide là, soudaine, de mon secrétaire en chef aux horaires, aux pupilles. Hein? 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 Qu'est-ce qu'il a comme pupilles? Il les arronde. Il a les pupilles rondes. Quel truand! Il s'infiltre. Il s'infiltre sur mes genoux. Oh. Ah, c'est mon secrétaire en chef. Et oh, et oh, et oh. On se calme, hein, sinon, hein, au coin. Et pas de café. Ah oui, non, c'est une belle image, je la mets en mémoire. Eh oui, ce que vous voyez là. C'est censé être. Comment ils appellent ça en alchimie déjà là? En alchimie ou en. Je sais plus quoi, en quoi hein? Non mais en quoi? Ah, ils se réveillent. Ils sortent de la sieste au soleil, a priori, et. Ah, ils ne savent pas de quoi on parle. L'arbre des séphirotes. Mais pas à table. Donc, c'est les MCEIO, les enseignements MCEIO libres depuis les recueils, on va dire, CDT, ça se traduit CDT, hein, mais là je ne sais pas à quoi ça correspond. Enfin, écrit par les races au pluriel. Des fondateurs,
les races des fondateurs, c'est au-dessus des races des gardiens. Oui, non, il y a des gens qui pensent encore qu'on est tout seul dans l'univers. Je suis tellement désolé pour eux. Ils vont être perdus. Non, parce que c'est touffu, hein. C'est touffu, hein. Il y a des mecs qui disent, quand est-ce que vont débarquer les extraterrestres? Ils imaginent que c'est une race d'extraterrestres, quoi. Hein? Mais si on dit qu'il y en a une, c'est parce qu'on l'a définie parmi plusieurs. Voilà. Et ce n'est pas plusieurs qu'il y en a, c'est une foultitude. Une foultitude dans diverses dimensions et diverses capacités et rôles. Et rôles, parce que quelque part, dans ce cosmos énergétique originel, c'est déterminé des rôles à chacun afin de produire une évolution. Et de temps en temps, ben, il y a eu des couilles dans le potage. Hein? Voilà, des couilles dans le potage, et puis sacrément poilu, vous allez voir ça. Donc, tout ne s'est pas déroulé comme il aurait fallu que ça se déroule, quoique ça pouvait se dérouler ainsi, puisque la loi du libre arbitre existe. Et, là, ils ne nous la respectent pas, mais réclamez-la, revendiquez votre souveraineté, il y a la loi du libre arbitre. Voilà. Je sais bien que face à des matraques, des LBD, des grenades lacrymo, des pressions diverses, fiscales, flicales, communales, de voisinage ou autres, sectaires, etc., hein, on souffre ensemble tous pour les TI, mais on ne souffre pas. On tâche de faire en sorte que ça cesse. Les TI, les individus cibles par psychotronique, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que la psychotronique mécanique, il y a la psychotronique psychique. Bon, enfin, bon. Ouais, je ne sais plus, je me suis perdu là. Voilà. À force de faire des encarts pour expliquer ce dont je parle, j'ai fini par plus savoir de quoi je parlais. On y va. Je vous laisse le son, hein. Oui, là, j'aurais besoin du son. Par contre, au bout d'un moment, il va y avoir une petite fonfogne. J'appelle fonfogne ces musiques sans queue ni tête qui tournent en boucle. Particulièrement énervante, vous tâcherez de passer au-dessus parce qu'elle est faite pour se calmer. Mais moi, rien que le fait qu'elle existe, ça m'énerve. Bah, c'est-à-dire qu'il y a moyen de mettre des musiques, je ne sais pas, vous écoutez un morceau de classique, il ne se répète jamais. Il ne se répète jamais. Il y a des thèmes globaux qu'on retrouve, mais ils sont toujours rejoués par d'autres groupes instrumentaux, différemment interprétés, etc. Ça ne se répète jamais. Le jazz, ça ne se répète jamais non plus, normalement. À part un petit bout de refrain, mais ça ne se répète jamais. Qu'est-ce que c'est que cette musique actuelle où on se répète, on se répète, on se répète, on fait une phrase de deux mots et on la répète 25 fois avec un rythme qui tape, bang, 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 bang. Ben, moi, je tape plus fort sur mon enclume quand j'en avais une. Mais c'est le même résultat, hein. Enfin, bon, c'est pas le sujet, revenons. La conscience de l'Antichrist. Donc, je répète, hein, Christ écrit K-R-Y-S-T. C'est pas pour rien qu'il y a un K. Déjà, au moins, ça différencie de la version religieuse. Because a human strand can run more frequency because it's not distorted and it has 12 codes instead of 11 or 10. Eventually. Parce que l'ADN humain a 12 fréquences par rapport à celles qui n'en ont que 10 ou 11. Puis je vais traduire un peu en diagonale, hein, parce que bon, c'est vrai qu'elle parle vite, là, je vais la ralentir un peu. Elle ne parlait pas si vite, hein, 1,30. Donc elle. À l'époque, on parlait rapidement, normalement, quoi. Hein, on n'était pas comme le journal télévisé pour le troisième âge, quoi. C'est midi, c'est 20 heures, les gens, ils vous parlent comme si vous aviez le troisième âge. Et puis, troisième âge, infantile, hein, en plus. Non, là, attention, hein. C'est pas tout à fait ça. Hein. Et donc, vous voyez que c'est traduit en coréen. Je crois que c'est du coréen. Alors, le titre de cette séquence, c'est
le potentiel dormant et caché de l'ADN en 12D des humains angéliques. Ah non, mais c'est stimulant. Ah oui, ça c'est, on va dire que c'est une vidéo New Age. Mais c'est du New Age qui dépote hein, quand même. Parce que là, il n'y a pas que des itis gentils, hein. Il y a même de tout, quoi. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des neutres, il y a des gardiens, il y a des surveillants, il y a des infiltrés, il y a des défaillances, il y a des distorsions, il y a des trous noirs, mais pas la version trou noir astrophysique académique actuelle, hein. Il y a un autre genre de trou noir. Il y a... non, c'est passionnant, hein. C'est juste passionnant quand même, hein. Allons-y. Donc, s'il y a des Coréens parmi vous ou des gens qui savent lire le coréen, ils pourront me dire si j'ai bien traduit ou si je me suis planté. Ce qui pourrait arriver, vous ne m'en voudrez pas, je vous prie. Donc, l'ADN humain va progressivement avoir de plus en plus de fréquences à sa disposition qui vont le remettre à sa place dans la bonne séquence mathématique. Oui, parce qu'en plus, oui, il y a un truc avec les maths quand même. Là. Mais je ne sais pas de quelles maths ils se servent. Est-ce que c'est les maths dont nous servons actuellement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou est-ce que, par exemple, ce serait des maths à la Marco Rodin? M-A-R-K-O-R-O-D-I-N, Rodin, R-O-D-I-N, qui, lui, travaille sur des mathématiques très semblables au tableau qu'avait bâti Nikola Tesla. Un tableau circulaire. Qui ressemble à la numérologie, en fait. Qui ressemble à la numérologie. Et là, je vous abandonne une seconde. J'entends une goutte qui tombe sur le plancher. Il faut que j'y mette une soucoupe dessous. Ben, sinon, ça finit par me défoncer le plancher. Non, pas défoncer en creusant, défoncer en humidifiant, c'est du stratifié. Ça finit par décoller l'école. Donc, de quoi va-t-on parler ? Du Christ et de l'Antichrist. Enfin, du Christ, non, ça vous met dans un mauvais état d'esprit, là. De Christ, K-R-Y-S-T, par rapport à l'Antichrist. Hein, ce n'est pas hanté. Hein. C'est important de faire la différence, hein, parce qu'il n'y a plus aucune différence qui est faite. Hein. Dès que ce n'est pas christique, aujourd'hui, tout le monde dit « c'est le diable, oui. » Mais à qui ils se réfèrent vis-à-vis de leur Christ avec CH, écrit par un bouquin rectifié en l'an 300, etc., par une église romaine qui reproduisait toute la panoplie des dieux grecs, romains, égyptiens, sumériens, nordiques, orientaux. Et ils ne veulent même pas voir ça, les gens-là. Donc, bon, Christ, Antichrist, les humains angéliques à l'ADN de 12D en tant que biorégénérescence, je pense. Ensuite, les anges déchus, les programmes d'hybridisation d'ADN des anges déchus. Et ensuite, la mission de réalignement du Christos originel. Ah non, non, mais ça devrait vous plaire, même aux religieux, hein, normalement, ça, hein, parce que quand on vous dit, attendez, de quoi tu parles, tout a été traficoté, moi, ça m'inquiéterait, surtout quand je vois la situation actuelle de l'Église, ses dissensions, etc., ce que les médiums et autres sentients ont perçu autour du Vatican, quand on voit la politique Vatican, justement, quand on voit les dérives.
Des soirées libertines avec pédocriminalité, sacrifice, drogue autour du Vatican et de ses responsables. Ça me poserait quand même quelques questions. Hein. Quand on voit aussi les remodios sur les quatre derniers papes qui ont été démontrés être interférés, de la même manière que Poutine aussi est interféré. Poutine et ses dirigeants du cercle proche, ça c'est issu du dernier remodio du Farsight. Mais le Farsight, il a une opinion très télévisée de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Pour eux, la Russie envahit l'Ukraine, donc l'OTAN vient aider l'Ukraine. Voilà. On se fout de qui? Donc, le Farsight, ben, moi, je les excuse parce que quand vous faites du remodio, là, votre journée est occupée par plein d'autres choses que vous intéresser à tout ce que nous, on a eu comme intérêt et possibilité de s'y intéresser dans la journée. Ne pratiquant pas des séances de méditation et de remodio qui vous prennent toute la journée, ou presque, sans compter la vie de famille. Donc, je les excuse pour ça. Je les excuse parce qu'ils ne peuvent pas être au courant de tout. Je les excuse autant que les professeurs et les docteurs qui ne sont pas au courant qu'il y a un plan pour niquer la gueule à l'humanité, en fait, en clair. Hein? Avec ces campagnes de spritching. Donc, ah oui, je vais coder un petit peu de temps en temps, mais alors juste quand on va parler des spritch. Des spritch. Et deux, trois autres bricoles. Parce que je vais essayer de voir si ça passe sur YouTube, cette vidéo. J'ai eu des commentaires délicats. Qui s'inquiétait de ce qui pouvait se produire pour moi, là, puisque je ne produisais plus sur YouTube. Donc, c'est des gens qui n'ont pas lu l'encart qu'il y a sur mon bandeau d'accueil qui dit qu'il y a un transfert des activités sur Odyssée et en fait sur Rumble. Rumble, ça, les vidéos se lisent vraiment de manière plus fluide. Hein. Odyssée, ils ont pris. Ça y est, ils nous diffusent déjà les pubs et. Leur service n'est toujours pas correct. Ouais, intéressant. De toute façon, Odyssey, ODC. Hein, en anglais, Odyssey. Bon, c'est une crypto-monnaie. Mais bon, Rumble aussi est associé à une crypto-monnaie. BitChute aussi est associé à une crypto-monnaie. Oui, j'ai aussi des comptes sur chacune de ces sites. Il n'y a que Chromebooker pour l'instant qui n'est pas associé à une crypto-monnaie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ben, peut-être aussi longtemps qu'on n'a pas une crypto-monnaie libre, on va dire, hein, dont on est sûr qu'elle ne sera pas maîtrisée par les banques centrales. Parce que les crypto-monnaies on se sont sortis des agences de renseignement et des services spéciaux spécialisés en technologie et autres. Afin que l'on passe du système monétaire avec de l'argent liquide à des crypto-monnaies et des blockchains qui nous maîtrisent aussi bien que les QR codes et tout le reste pour un nouvel ordre mondial. En fait, hein? Ce n'est pas pour nous aider. De toute façon, si les crypto-hackers étaient de notre côté, ça serait su. Ça se serait su, oui. On le saurait. Il faut savoir que Q de Trump, c'est aussi issu d'une intelligence artificielle. Hein. Et pas forcément tout à fait humaine. Hein. Ce qui explique qu'il fallait un petit peu de décodage. C'était bien d'aller voir Serial Brain 2 à une époque. Alors, c'est il y a 2-3 ans, ça. Ça nous permet de décrypter un petit peu, de comprendre comment on pouvait lier différents tweets de Trump, entre autres, avec ce qui se passait réellement, avec ce qui était diffusé dans les médias, avec les codes couleurs, avec
Tout ce qui a fait croire à plein de gens qu'en fait, c'était la solution et qu'on allait être sauvés. Enfin, qu'ils allaient être sauvés, puisqu'ils espèrent encore un sauveur externe. Ils n'ont toujours pas compris que c'est l'autonomie, l'idée. L'autonomie de gens évolués, conscients, lucides et renseignés. Le niveau qu'on se pille, là, c'est le niveau minimum pour être un citoyen efficace aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui disent « vous tombez dans le complotisme », moi je dis « vous élevez au niveau du complotisme », et encore, ne mélangez pas tout, hein, parce que je suis tombé des fois sur des idées n'importe quoi, quoi. Vous voyez très bien que c'est des enfants de 12 ans qui émettent une théorie, ils sont au courant de rien, ils émettent une théorie pour expliquer tout, quoi. Ouais, ouais, là il y a du feu parce qu'il y a la fée Clochette qui envoie un rayon pour faire du feu là au bout de mon truc. Oui, c'est comme ça que les enfants expliquent les trucs, hein. Enfin, certains enfants. Non, mais les adultes, non. Hein. Les adultes qui savent qu'il y a du gaz, une étincelle, de l'oxygène dans l'air, ils savent plein de trucs, les adultes. Les adultes conscients, je ne veux pas frimer non plus parce que j'ai un tout petit niveau. On continue. Donc là, c'est le passage sur la différence entre Christ et Antichrist. Et je rappelle Christ, K-R-Y-S-T. Bon, c'est en anglais, mais malgré tout. We are following the path of Dashi, the path of Christ our return. When I use the word Christ our, by the way, right? Any of the words like Christ or anything like that, we spell it with a K. It's either K-R-I-S-T, sometimes we use shorthand, or K-R-Y-S-T. There's a reason for that. It's not really... C'est pas la même chose quand on écrit Christ avec K ou Christ avec CH. Là, ça va vraiment toujours trop vite. Il faut que j'aille à la vitesse normale. Je me fais violence, mais pour traduire, il faut que j'aille à la vitesse normale. Là. Sinon, je vais perdre la moitié des éléments. Because we're basing everything on the Bible or anything like that, nothing against the Bible. But it's bon, elle a vraiment, okay. Elle a pas spécialement des trucs contre la Bible, mais si vous suivez juste la Bible, vous êtes perdu, quoi. Was and what it refers to are... Parce que le terme de Christ a d'autres origines que celles qui sont décrites dans la Bible. Et donc ça, c'est un paragraphe qui traite des sons primaires christiques, cristaux. Ouais. Il faut que j'invente un mot en français. Là. Cristallin. Ce serait pas mal, cristallin. Ce serait pas mal, je crois. Parce que ça rapporte à cristallin qu'un cas, hein, toujours. des sons primaires cristallins de manifestation qui sont ka, ra, ya, sa, ta, ha, la. Et ha, il y a un H après. Et après, il y a la. Peut-être bien qu'il y a des gens qui se sont servis juste de la fin pour essayer de se la jouer, c'est moi votre Seigneur. Hein. Peut-être bien. Peut-être. Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Quand je vois ça comme ça, là, avec l'esprit de suspicion dont je suis imprégné, ça me vient l'idée. Bon, je n'ai pas dit que j'avais raison du tout. Alors, en fait, ce sont les septièmes. Sur 12. The first seven audible sound tones of creation. Ce sont les sept premiers sons audibles de la création. And they are Karayasatahala. Et qui sont donc Karayasatahala. And we also often just shorten the Karayasatahala. Right. Vous inquiétez pas, elle arrête pas de rire comme ça. Je ne pense pas que ce soit le Dubin Delight. C'est juste parce qu'elle est en train de nous balancer des choses hyper complexes et que c'est je ne sais pas si elle fait la double conscience là, je suppose que oui, mais elle se voit en train d'expliquer des trucs tellement compliqués que finalement vous en riez, mais ce n'est pas parce que vous mentez, hein. C'est parce que ça défraye tellement la chronique. Bon, reprenons.
So that's where we use the word Christ. Donc ça, c'est l'origine de la raison pour laquelle on utilise le mot Christ. It has to do with the sound tones, the vibrations. Ça a à voir avec la tonalité du son, la vibration. The first audible sound tone. Des premières tonalités audibles. When we get into first part of creation, before. Des premières parties de la création. Where all these structures occur. Avant que toutes ces structures se réalisent. In the cosmos, there's dans le cosmos. Certain things that happen on a very, very, very nano micro level. Il y a des choses qui se produisent au niveau même nanométrique. That the first what would be audible sounds or audible vibrations, and that is why we use that word Christ. So, par rapport à ces premières tonalités audibles, c'est la raison pour laquelle nous employons le mot Christ. Petit encart. Ouais, je vais essayer de les éviter, mais parce que c'est trop complexe. Déjà, on part constamment dans tous les sens, là, alors je vais essayer de me calmer dans mes encarts, mais néanmoins, Wes Penray nous parle aussi de la nanoseconde, qui est intervenue en 2012. Vous ne l'attendez plus, elle est passée. Elle est passée, mais elle dure encore, en fait. Quoi. That's where it's coming from. It's not saying, yeah, we're Christian, that's a, you know, which means we're not this, we're not that, we're not the other thing. It's something that belongs to everyone. Donc l'idée de Christ, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, pas uniquement une secte qui serait supportrice du Christ, mais avec CH, ouais, avec la déviance issue de la religion. Merkaba mechanics are nothing more than vortice mechanics, interdimensional. Et alors, cette vidéo, en fait, c'est une série d'extraits d'autres conférences. Et elle nous dit que là, la création est issue d'une série de vortex. Une mécanique des vortex. La mécanique des Merkaba more than vortex mechanics, interdimensional. N'est rien d'autre que la mécanique des vortex, des vortex mechanics. La mécanique des vortex interdimensionnels. Merkaba fields are le champ Merkaba, hein, counter rotating fields of est issu de deux champs contre-rotatif, c'est-à-dire il y en a un qui tourne dans un sens par rapport aux aiguilles d'une montre et l'autre dans l'autre sens. Hein, vous savez que ça provoque l'antigravité, hein, déjà à notre niveau ici. Hein, si vous tournez assez vite, si vous faites tourner un champ magnétique assez rapide, même pas un champ magnétique d'ailleurs. Moi, je pense que si on prenait deux grosses disqueuses de chantier, hein, des professionnels, hein, à disque, qui tournent à donf. Ben alors, plus vite qu'une Dremel à 30 000 tours, déjà à 23 000 tours, je crois qu'il se passe des trucs. Hein. Mais montez, 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 accélérez, accélérez, nous disait un chanteur. Je ne me rappelle plus là son nom. Lavillier, ouais. Ah oui, Lavillier, non, mais rien à voir avec Lavillier. Juste, il disait accélérez. Prenez un phénomène politique quel qu'il soit et accélérez-le, accélérez-le. Hein, ben, c'est vieux, hein, c'est vieux. Pour vous, ça n'a jamais existé, suivant votre âge. Pour moi, c'est très vieux déjà. J'avais 15 ans quand j'écoutais ça, donc bon, franchement, comprenant. Donc, on parle, voilà, quand vous faites contre-rotater deux champs d'énergie électromagnétique, what a Christic one is, what one is. Il y en a un qui est christique et l'autre, il est anti-christique. Is able to hold the living light form. Si j'ai bien compris, on va reprendre là. Counter-rotating fields of electromagnetic energy. And we'll look at what a christic one is, what one is able to hold the living light form. Donc, le christique est capable de retenir la lumière vivante, la forme de vie de lumière vivante. And what types of Merkaba hold dead light or static light, which one? Et l'autre partie contient
la musique morte, la musique là, vous voyez la musique, derrière la fourfoine, là, ça me prend déjà le chou. La lumière statique, la lumière morte. Are finite, which ones are eternal? We'll look at that quickly. Et chacune d'entre elles étant éternelle. Now, where you can begin to understand the difference between the word Christic and antichristic. Ça vous permet de comprendre la différence entre les mots christique et antichristique. Get out of the dark ages and get your head out of doomsday Bible stuff, where it's like the antichrist, big thing rising out of the ocean, going to come get you, you know, if you're not good and go to church every day and that kind of thing. Et si vous lisez la Bible et que vous entendez parler de l'antichrist qui va sortir de la mer et tous vous bouffer. The stories of the Christ and the antichrist, the Christ and the antichrist. C'est très faux. C'est pas complètement faux, mais c'est très faux. Donc, si vous écoutez l'histoire du Christ, avec K, hein, pas rien à voir avec Jésus, là, hein, OK, on va ailleurs. Hein, on va à un niveau, à une dimension christique à laquelle tout le monde peut appartenir, on va dire. Enfin, tout le monde. Ça dépend de notre ADN, notre attention et de tout ça. Mais bon, c'est disponible à tous. N'oubliez pas, ça, c'est... Vous voyez, Jésus-Christ, il a dit... soi-disant, dans la Bible, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, même plus encore. N'oubliez jamais ça, pour vous les religieux, qui êtes soumis à quelqu'un qui vous a dit, vous pouvez faire mieux que moi. Vous le prenez pour le roi de tout, et il vous a dit, vous pouvez faire mieux que moi. Vous finissez la phrase un petit peu, ou quoi? Vous lisez les bouquins que vous apprenez par cœur, là, ou quoi? Vous vous rendez compte de ce qu'il vous a dit? Il y avait ça à prendre de bon dedans. Tout le monde l'oublie. C'est quand même dingue. Hein? Lui, il n'était pas complètement humain. Nous, nous le sommes. Et donc, nous, nous avons des capacités de régénérescence à 12D d'ARN, d'ADN. Ça, on l'a tant qu'on ne s'est pas fait spritcher. Hein? Oh, wow. Pour les spritchés, ça va être beaucoup plus difficile. Mais on les avait prévenus. Hein. Ça suffit maintenant. Hein. Et puis en plus, vu qu'ils voulaient nous enfermer dans des camps, séparer nos enfants et tout, je vais réfléchir un petit peu avant de respirer un petit peu et me calmer beaucoup. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Quoi, hein. Et puis moi, je suis un des plus calmes qui existent parmi les révoltés d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et même parce que j'ai d'autres notions qu'il faut entrevoir que ce n'est pas la faute. J'ai trop d'empathie, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais néanmoins, la personne qui me menace de mort ou de bousiller ma vie, elle me met sous une menace qui existe tant que la personne est vivante. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je me calme. Parce que c'est pas facile d'être un humain normal et même bien séant, hein. Dans le monde d'aujourd'hui, là, c'est pas facile, hein. Donc on se calme. Ah ben, oui, ça veut dire qu'il faut faire le tri, hein. Le tri parmi nos émotions, le tri parmi nos réactions, le tri parmi nos pensées et le tri aussi parmi nos fréquentations. Indubitablement, surtout qu'ils sont contagieux les autres là, et qu'il y a une nanotechnologie dont ils sont porteurs maintenant. Ils disent que non, mais ils réagissent au Bluetooth. Hein. Moi non. Eux oui. Alors, Zivatarum. Hein. On continue. A knowledge we once had on this planet that was clear, it was technical, it was this knowledge that told you about the physics mechanics of. Donc, sur cette planète est arrivé ce savoir à propos de la mécanique physique. Creation. De la création. Of biology in manifestation. Et de la manifestation en biologie. Because at a certain point, everything starts out. Parce qu'à un certain moment, tout part de là. Christian. There is nothing. De ce phénomène christique, on va dire. Avec un cas. And it was created as anti-Christian. And it's anti-Christ of biology in manifestation. Because at a certain point, everything starts out Christian. There is nothing that was created as anti-Christian. And it anti-Christian doesn't mean evil, bad, necessarily. Il n'y a rien qui a été créé comme étant d'emblée antichristique.
l'idée d'associer antéchristique avec quelque chose de mauvais, de diabolique. It can act that way sometimes, but what is evil? But ça peut arriver des fois, mais qu'est-ce que c'est evil? Live spelled back. C'est juste live écrit à l'envers. Donc, en cas, et c'est là-dessus qu'avec même Jordan Maxwell, j'avais des achoppements. En l'écoutant, hein, je ne le connais pas. Il est mort, là, d'ailleurs. Jordan Maxwell est mort dernièrement, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ainsi que John Lear. Tout de même. C'est Jordan Maxwell qui a introduit David Icke aux États-Unis et lui a fourni le matos de base, quelque part. John Lear, ben, il est considéré comme étant le père de la conspiration. Bon, c'est pas le cas parce qu'il y en avait déjà qui avaient réagi à l'assassinat de JFK en 63, mais néanmoins, c'est une super pointure. Allez, c'était une super pointure. Il continue sa route cosmique dans les meilleures conditions. Reprenons. Alors, je reprends là et je vous parlais de mon achoppement avec ces théories de Jordan Maxwell. Evil, évidemment, c'est le contraire de live, écrit comme ça, en anglais. Or, l'anglais, c'est une langue qui a été rectifiée par le roi James, qui a rectifié la Bible aussi, et tout ça, plein de trucs, hein, version anglaise. Donc, l'anglais, on ne peut pas faire des jeux de mots en anglais qui correspondent fatalement avec les mêmes jeux de mots en français. Néanmoins, dans la langue des oiseaux, il y a des trucs qui correspondent. C'est troublant. Hein. Et néanmoins, quand vous faites du reverse speech, il ne vous faut pas ignorer que ce qui est prononcé pourrait être en anglais aussi. En reverse speech, vous pourriez comprendre un langage inversé par le biais de audacity.exe. C'est un programme hein, pour passer en arrière en lecture inversée ce qu'on vient d'entendre. Néanmoins, il ne faudrait pas ignorer que ça pourrait arriver en anglais. Il faudrait que je plonge plus sur, un, la manipulation de Audacity et, deux, l'étude de plein de discours de personnes en français pour voir si en anglais, finalement, ils ne sont pas en train de dire la vérité quand ils nous mentent dans le discours direct. Parce que ça, c'est ça qu'on trouve en anglais. Vous trouvez des... Obama... Yes, we can, c'est thank you, Satan, en reverse speech. Alors, bonjour, quoi. Hein, c'est quand même superbement intéressant. Ouais. Antichristic is the reverse of Christian. Christian. Donc, l'antichristique, c'est l'inverse de christique. Is a form of light that allows for perpetual motion creation. Et c'est une forme de lumière qui permet la création continue. Because it can continually re-spark itself, so anything it expends, it can actually replace and replicate. Now, parce qu'elle s'auto-remplace constamment. Il y a une sorte d'auto-entropie perpétuelle. Natural light, Christopher. Auto-négantropie perpétuelle. Light. Donc, il est écrit sur la gauche, là, que le mouvement Christ, c'est la lumière perpétuellement vivante. It expands and contracts, which means it needs spirals of energy. One going in bends, it can actually replace and replicate. Natural light, Christian. Elle peut se remplacer elle-même et se répliquer. La lumière naturelle. The light breathes. It expands and contracts. Provoque une expansion et une contraction. Et là, en cas, là, il faut absolument s'intéresser à la physique walterienne.
Walterienne? Ah oui, il me semble bien. Il me semble bien. Donc, à chaque fraction de nanoseconde, tout passe du carré au cercle en 2D. Mais en 3D, c'est du cube à la sphère, et la sphère au cube, et du cube à la sphère. Et c'est là que le philosophe français, et ce n'est pas Philippe Bobola, mais un autre, Pierre Granier de Fer, je crois, nous parle du temps double, de cet espace dans lequel on passe constamment à une fréquence très très élevée. On fait des passages, ici en 3D, je vous parle, et paf, je pars à un autre niveau, et tout revient, hein, dans la fraction de seconde suivante, quoi, mais des nanomillisecondes, quoi. Et tout revient là, il repart, il revient, il repart, et tout ne serait que ça constamment. Bon, c'est difficile à concevoir comme concept et je comprends que vous ayez du mal parce que personnellement, je ne connais pas l'autre côté. Là, consciemment, je ne le connais pas. Peut-être que subconsciemment, on le connaît tous. Mais là, consciemment, c'est quand on me dit que j'ai un autre moi-même qui vit sur des mondes parallèles, je ne suis même pas au courant, un, qu'il existe et jamais il me téléphone. J'ai pas de contact, je sais pas qui est, hein? Et c'est là que les philosophes quantiques vont chercher le meilleur futur, vous savez. Ah, mais j'ai quand même encore du mal là à le mettre en pratique, en tout cas, on va dire, hein? Bon, il faudrait que je teste aussi pour essayer de voir si ça marche ou pas. Mais oh là là, il y en a tellement de ces théories, j'ai pas le temps de tout pratiquer, moi, hein? Puis vous savez, moi, je suis plutôt un théoricien qu'un praticien. Ouais. Ah ben, le cancre fier de l'être, presque, presque. Allez, on continue. Which means it needs spirals of energy, one going Donc, ce qui signifie que ça a besoin de spirales d'énergie. Incoming energy toward the center and the other expanding out toward the outer. Une spirale d'énergie qui est centripète et une qui est centrifuge. Outside, not the outside of the sphere of source, let's say, but expanding outward to the inside of the outside parameter and then back inside the center, expanding and contracting, breathing rhythm, right? Donc, d'où l'idée de contraction-rétraction, c'est que l'énergie extérieure va replonger à l'intérieur et l'intérieur ressort. Ouais, c'est aussi pour ça que le torus avec les mathématiques de Marco Rodin sont super intéressantes parce que ça tourne comme une hélice. Mais bon, the fields and vortices. on va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Ça prendra un peu de temps, mais on va y arriver. Prenez d'autres sources que la mienne aussi, hein, parce que si ça se trouve, je ne suis pas le meilleur pédagogue pour tout ça, mais voilà, surtout juste théoricien, je dois manquer justement d'une expérience vécue qui me fournissent les mots justes. Or, le problème, c'est qu'en général, tout ça se situe dans un domaine où les mots humains, français, en tout cas, le français pourrait être suffisant, peut-être pas remarqué, mais juste prérogative, cocorico, pourrait être suffisant. Il ne suffit pas, là, à expliquer ce qu'on a vu. Vous tombez sur des couleurs en astral qui n'ont pas de nom dans notre monde. Une couleur qui existe, elle n'a pas de nom pour être définie dans le monde. Or, vous savez qu'aujourd'hui, avec Google et tout ça, là, vous avez un dispatch de couleurs, justement, qui n'ont pas de nom non plus. Il y en a beaucoup qui sont métallisés, par exemple. Et c'est difficile de donner le nom d'une couleur métallisée. Bon, elle est dorée métallisée, elle est argentée métallisée, mais le côté métallique, là, c'est un petit peu autre chose. C'est comme s'il y avait une dimension en plus dedans, vous savez. Et là, je vous parle que, enfin, en tant que peintre, hein, reprenons.
out, breathing rhythm, the breathing rhythm. Et petit peintre, tout petit peintre. Vous voyez les travaux de Miles Matisse comme peintre classique, vous hallucinez le réalisme et la beauté de ces toiles. Très normal, hein, toile nature. Et quand vous voyez les interférences de la CIA avec l'art moderne, vous vous dites, ah, ouais, il y a peut-être un problème là. Surtout quand on sait d'où vient la CIA. Je rappelle que c'est quand même l'écrémage du projet Paperclip qui a bâti toutes ces agences spatiales et de renseignement en reprenant l'ancien OSS, par exemple, aux États-Unis. Et que le projet Paperclip a inondé les États-Unis, la Russie, un petit peu l'Angleterre et encore un petit peu aussi la France. Les alliés. Les alliés ont essayé de se gaver. Ce qui ne veut pas dire que les Chinois n'aient rien foutu. Hein. Ah, ouais, ce n'est pas le sujet. On va reprendre. Of frequencies, up and down, the dimensional structures, from here in the 50-dimensional system, but also in the system of fields and vortices, are about breathing rhythm, the breathing rhythm of frequencies, up and down. Voilà. Et donc, ce système de fréquences est une histoire de breathing, c'est-à-dire de création, finalement, dimensional structures. De structures dimensionnelles from here in the 50-dimensional system. D'ici, dans le système à 13 dimensions, but also in the systems of what the 50-dimensional system is connected to. Mais aussi de cet autre système à 15 dimensions auquel il est connecté. So they're all an intrinsic. Voilà, alors il est connecté par des vortex trous noirs créés par ces entités-là qui ont divergé du plan. Enfin, des fois, ça diverge du plan et des fois, ça ne diverge pas du plan. Ça diverge du plan quand ils créent un système qui est bancal, quelque part, mais qui les arrange, eux, mais qui les rend déséquilibrés et qui les rend incapables de produire eux-mêmes l'énergie pour se nourrir et donc dans lequel ils quittent la qualité divine d'autosuffisance dans laquelle sont les dieux, sont les êtres créateurs, et non pas ceux qui tombent dans le domaine du prédateur, c'est-à-dire que n'arrivant pas à créer pour eux-mêmes la subsistance, ils sont obligés de se nourrir sur les autres. Vous voyez, je trouve qu'il y a quand même un truc c'est pas logique, hein, il y a encore une goutte qui tombe à côté. C'est assez... ça se voit, ça se comprend. Je ne sais pas comment dire. Enfin, j'espère que vous me suivez. On reprend. C'est un système circulatoire, mais dans le système rond-point, on va dire. Breathing system by which God source perpetually perpetual. C'est le système de génération. Breeding, ça veut dire quand même faire des enfants, avoir une descendance, créer quelque chose à partir de nous. Donc, je reprends. The systems of what the 15-dimensional system is connected to. So they're all an intrinsic part. It is the circulatory system, the breathing system, by which God source perpetually. Sorry about that. Donc, c'est le moyen par lequel la source, de manière perpétuelle... I haven't slept all night, so my words are a little slower than my brain. God's source perpetually cycles consciousness into and out of manifestation. Introduit de manière cyclique, perpétuellement, la conscience dans d'autres cycles. Through the structures of Merkaba fields. Passant par des champs de Merkaba, des champs merkabiques. This system we're living in this world right now. Ce système dans lequel nous vivons. Is built ce monde. Upon the ideas of lack. Est bâti sur l'idée de manque. Of finite existence. D'existence finie. Of not enoughness of anything. De manque, il n'y a pas assez de quoi que ce soit. And of a group of people that have to compete with each other. Et d'un groupe de gens qui ont besoin de faire la compétition entre eux. In order to have the right and the energy. De manière à avoir le droit et l'énergie.
to be on a planet. D'être sur la planète. That is an anti-Christos model. Ça, c'est un modèle antichristique. Ou anti-cristal. Ou anti-cristal, on va dire. Ouais. Comme ça, on sent un peu plus des idées préconçues. Donc là, le schéma sur la gauche d'elle, c'est la Merkaba antichristique planétaire. Oups, si vous ne voyez pas le yin-yang courant, là, vous ne voyez rien. Là, vous voyez le Merkaba, vous voyez le yin-yang, vous voyez l'inclinaison axiale terrestre par rapport à la verticale cosmique, la verticale de l'équateur galactique, ou solaire en tout cas, du système solaire. Oui, solaire. Puis peut-être qu'on là au milieu, vous arrivez à discerner. J'espère que vous êtes en HD et que moi j'ai pris le. Non, je n'ai pas pris la meilleure définition. Je ne sais rien, je ne me rappelle plus. Vous voyez aussi l'arbre des Séphiroth, un arbre dit séphirotique, qui là n'est pas le même du tout. Hein. Il est très symétrique. Là. Ça ne correspond pas à celui qui est défini avec Da'at, qui serait, on va dire, sur la périphérie du cercle du dessus, en bas, en allant vers le centre du cercle général contenant le yin-yang. Et vous voyez aussi qu'il y a un sens qui est indiqué et qu'il est horaire. Et ça, c'est la Merkaba antichristique. C'est un sens horaire. Alors, encart de chez encart. Nous, dans notre réalité 3D d'aujourd'hui, dans un monde et un univers électrique, je dois rajouter ça parce que c'est ça qui explique que ça fonctionne pour moi, ce qui descend du Soleil tourne dans un sens, ce qui remonte de la Terre, ce qui sort, rien ne va dans un sens unique, hein. Il y a toujours un échange. Et ce qui en ressort est dans le sens inverse. Raison pour laquelle... vous pouvez tourner dans un certain sens quand vous prenez l'énergie solaire et vous tournez dans un autre quand vous prenez plutôt l'énergie terrestre. C'est ma traduction, ça. Ça, c'est ma traduction. L'histoire des sens dans lesquels vous tournez ou pas. Et ça explique aussi quand vous bâtissez, peut-être à tort d'ailleurs, hein, une... une orgonite dans laquelle vous mettez une spirale de cuivre, le sens dans lequel tourne cette spirale de cuivre impliquera de quelle manière vous allez vous servir de cette orgonite. Il va falloir, ce serait mieux de pouvoir visualiser de quel côté sort l'énergie positive et de quel côté sort l'énergie négative. Et si vous la construisez bien et que vous la posez au sol, au-dessus de votre orgonite se dégage une énergie positive. Si vous habitez au rez-de-chaussée, c'est bien. Si vous habitez au premier étage, ceux qui habitent en dessous prennent l'énergie négative. Ça, quelque part, je ne sais pas quoi. Hein, est-ce que c'est bien vu? Et bienvenue. Hein, je ne crois pas, non. Et du coup, ma solution, c'est de la mettre contre les murs. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui habite constamment juste à l'extérieur de votre mur en général. Enfin, voilà, la mettez contre le mur du côté du vide, hein, dans un immeuble. Évidemment, si vous la mettez contre le mur du côté de l'appartement d'à côté, c'est pareil que si vous la mettez au sol par rapport à ceux qui habitent en dessous. Hein, on est d'accord. Vous avez compris l'histoire, hein, j'espère. Non, parce que c'est important. Hein, tout le monde s'est mis à construire des petites orgonites. C'est facile. On peut faire ça même avec du sucre, de manière bio et tout ça. Là, ouais, on est d'accord. Sauf que si on ne précise pas la spirale, eh ben,
enfin, si on ne sait pas ce qu'on fait quand on bâtit la circulation de la spirale, ça peut avoir des effets négatifs, en fait. Et je connais assez peu de gens, finalement, qui arrivent à déterminer s'ils se sentent mieux ou pas, enfin, immédiatement, qui arrivent à voir immédiatement si ça fonctionne ou pas. Je connais assez peu. Vous avez beaucoup travaillé votre bioénergie et tout ça ? Vous avez ce niveau-là ? Bon, ça, c'est plus facile pour vous. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne connaissez rien en biogéométrie. Vous êtes ignorant de tout ça. Ou juste, vous faites un truc parce que ça amène du bien, comme c'est marqué dans le New Age. Pas cher. Ah, problème. Bon, voilà. Je vous dis, le New Age s'est bâti sur une science réelle. C'est la commercialisation détournée. C'est la commercialisation d'une science réelle qui a été détournée. Et en général, quand c'est commercialisé, c'est pas forcément volontaire en plus de la part du vendeur. Hein. Il y en a qui font ça juste pour vivre. Hein. Ils sont même pas franchement mal intentionnés. Ils se disent, je vais faire ça pour gagner des sous. En plus, ça amène du bien, mais ils le font mal et ils ne se rendent même pas compte. Vous voyez, je pense que ça existe aussi parmi nous. Donc, voilà, un peu d'empathie et de compréhension. Si on se trompe, il faut rectifier, il faut le dire, il faut s'excuser, réparer, ce serait mieux. Mais bon, il ne faut pas insister en tout cas. Voilà. Comprenez bien que là, je suis en train de vous donner en même temps l'enseignement et les excuses de ma part au cas où l'enseignement soit mal pris ou soit inversé. C'est vrai. Mais écoutez, moi, je ne suis pas patron, hein. Juste conspi-chef, un conspi-chef parmi d'autres. Et je vous appelle le plus vite possible à me dépasser, à pouvoir me rectifier. Au contraire, vite fait, dépêchez-vous, bordel. Ouais, moi, je coupe le café, hein, sinon. Hein. Non, mais enfin, voilà, on reprend. Allez. For the last 25,000 years. Donc, and durant les 25 000 dernières années. For a bit of time before that, this planet has been fulfilling an anti-Christ. Et depuis quelque temps, un petit peu auparavant, cette planète a suivi un système antichristique. This vision that was not the vision of humankind, and it was not. Qui n'était pas correspondant à la vision de l'humanité, the vision of the founders races, ni à celle des races fondatrices. We're beginning to restore what the real vision was. Et nous commençons maintenant à restaurer ce que la vision originelle était. Christos realignment mission. Et cette mission de réalignement cristallien, christique, mais cristallique, on va dire, is about bringing that vision back, and it starts with our energy. Consiste à ramener cette vision d'avant. Systems. It starts with each one of us recognizing that we are a blessed manifestation. Et ça commencera par la reconnaissance de chacun d'entre nous de cette de ce don de la vie. The face of God. Issu de la face de Dieu. Dieu la source. Right now, the way things work in our system is when we are in spirit form. Et maintenant, ce qui concerne ce système, c'est que nous sommes dans une forme d'esprit. Before we enter a process called fetal integration. Et avant de réintégrer ce processus appelé la réintégration du champ, mais champ avec un P, et c'est un petit peu comme le champ des possibilités dont on parle là, ou un champ de résonance, ou vous attendez pas à trouver des, ben, peut-être bien, mais bon. Ce n'est pas le champ d'à côté avec les petites fleurs et les champignons, hein, et les bousses de vache. Where we as spirit consciousness come into. Où nous, en tant qu'esprit de conscience. A body vehicle to have an incarnation. Oh là là. Because when we are in spirit form, before we enter a process called fetal integration, where we as spirit consciousness come into a body vehicle to have an incarnation here. Où nous, en tant qu'esprit conscience, arrivons à intégrer un corps, l'incarnation. We have a problem with the body pattern here because of template distortion. Et on a un problème avec le schéma corporel ici
parce que which means as soon as the consciousness comes into the body and le tableau d'intégration qui concerne la conscience qui s'intègre dans un corps, excusez-moi, finds itself with the DNA template. Ah, j'en peux plus. Les commandes de cet ordinateur me bousillent le crâne. Ben, je fais pause, après j'ai des coupures dans les phrases. Ça reprend. Après, quand je reprends, j'ai des coupures. Vous entendez ça? C'est haché. C'est hallucinant. On se croirait sur Odyssée. Ah oui, oui, allez plutôt sur Rumble, hein, ça tourne beaucoup mieux. De toute façon, moi, je télécharge tout et j'écoute après à ma vitesse. Et là, ce n'est pas coupé. Oh, c'est insupportable. Je m'excuse, excusez-moi, je ne vais, pas m'énerver parce qu'on est censé être dans un truc quand même hyper zen, là. Hein. Allez, on reprend. Ce n'est pas la première fois. With the body pattern here because of template distortions, which means as soon as the conscious... Oui, oui, donc il y a une distorsion des tableaux d'intégration de notre conscience dans le schéma corporel. Consciousness comes into the body and intertwines itself with the DNA template, with the gene. Et où là, ça se mixe avec le tableau d'intégration de l'ADN, enfin d'intégration de l'ADN, le tableau de réalisation de l'ADN. Encode. The DNA template. Et cet encodage. Template literally shuts off about 90% of the consciousness. Et l'actuelle représentation, enfin représentation, concrétisation de l'ADN nous coupe 90% de la conscience. The part that's left here grows. This is what becomes the person. You remember you as a baby being. It becomes the person that you grow to be here. But the... Oh. J'ai du mal. Je souffre là. Je reprends. Et tout ça gratuitement. Hein. Franchement, quand je pense qu'il y en a qui me disent réfléchis 15 secondes, c'est fake news. Le mec, il ne connaît rien. C'est des découvertes qui datent d'il y a deux jours. Le mec, il dit tu ne connais rien, réfléchis, ça ne tient pas debout, ça n'existe pas. Ah ouais, ça n'existe pas sans blague. La vénothérapie est interdite après les vaccins, ou les vaccinations sont interdites après une vénomothérapie, enfin une thérapie au venin de serpent, avec des produits issus de venin de serpent, d'araignées, de crustacés, de plein de trucs, même de pangolins. Ce sur quoi tous travaillaient là, dans les labos P4, notamment à Wuhan, mais pas que. En Ukraine aussi. Et tiens. Avec le fils Biden mêlé à tout ça, là, mais où on en est là? Allez, on reprend parce que je suis perdu. Là. The body and intertwines itself with the DNA template, with the gene code. The DNA template literally shuts off about 90% of the consciousness. Là, on a 90% de la conscience. The part that's left here grows. This is what becomes the person. You remember you as. Et ce qui reste là, c'est ce qui grandit. Est-ce que ce dont vous vous rappelez en tant que personne, comme ayant été un enfant? The baby being it becomes the person that. Devenant la personne que vous êtes. Be here. Ici. But the rest of who you are, who mais you le were, reste de ce que vous étiez, où vous êtes, when you came in, is who you still are, et que vous êtes encore, but you don't remember it, dont vous ne vous rappelez pas par contre, because you can't bring the memory, donc vous n'arrivez pas à rapatrier les mémoires of yourself as a spirit, en tant qu'esprit, directly in, because the body serves as a light switch. It's, parce que le corps sert en tant qu'interrupteur de lumière, turning most of the current off. Et éteint, enfin coupe, l'arrivée de la plupart du courant, si on peut dire. Most of the current of your consciousness. Ce courant de conscience. Now the current of your consciousness, if you had it fully embodied. Et si vous aviez ce courant de conscience pleinement incorporé. As a human being with a human template, you would have a
en tant qu'être humain, avec un tableau humain, template. Template, c'est tableau, mais c'est aussi programme. Enfin, pas le programme MKUltra, hein, le programme des émissions télé, on va dire. Voyez, enfin, les prévisions des réjouissances plutôt que le programme télé non plus. Ça va être encore mal tourné, ça. Minimum of 12 dimensions of consciousness. Qui a donc un rapport au minimum avec une conscience à 12 dimensions. Not just seeing a three-dimensional reality field, but you, pas uniquement dans ce champ de réalité à 3 dimensions. You would be able to access and move your consciousness and your body through 12 dimensions. Qui vous permettrait un déplacement non seulement à votre conscience mais à votre corps aussi dans un domaine à 12 dimensions of matter, which means different matter density levels. De matière, ce qui signifie donc différentes dimensions, densités de matière. Elle a dit dimension ou densité, je ne sais plus, parce que là maintenant sur la gauche ou frère Ewind, moi j'en ai marre. Désolé, mais je vais encore me perdre. Donc, sur la gauche, il y a un schéma de la relation, si on peut dire, entre densité et dimension pour une biologie humaine à 12 brins d'ADN. Entre la densité 1, 2, 3 et 4, la densité 1, c'est une biologie carbone, dimension du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental, un ADN à 1, 2, 3 brins et une intégration de la personnalité. La densité 2, au niveau biologie, c'est semi-éthérique. Au niveau des dimensions, ça permet l'intégration du corps astral, en 5, du corps archétypique, en 6, du corps angélique. C'est un ADN à 4, 5, 6 brins. Strands, oui, je veux dire brin, et l'intégration de l'âme. La densité 3, en biologie, c'est l'éthérique. La dimension, c'est au niveau 7, le corps qu'éthérique, avec un K, K-E-T-H-E-R-I-C, ou Q-E en français. En 8, le corps monadique. En 9, le corps kériatrique. Si j'arrive à bien lire, K-E-R-I-A-T-R-I-Q-E, avec un ADN à 7, 8, 9 brins et l'intégration de la surarme, oversoul, surarme. Et la densité 4, au niveau biologique, c'est la lumière liquide. En dimension, c'est au niveau 10, le corps christique. Au niveau 11, le corps bouddhaïque. Et au niveau 12, enfin bouddhique, quoi, le corps du nirvana, nirvanique, avec un ADN à 10, 11, 12 brins et l'intégration de l'avatar Christos. C'est pas mal hein, quand même ça, parce que quand j'étudiais le bouddhisme et tout ça, on parlait de plein de trucs de là-dedans, là. Notamment le corps monadique, le corps bouddhique, on parlait du nirvana, on parlait du Keter. Alors, je ne sais pas si Keter correspond à la séphira Keter. Mais bon, l'arbre kabbalistique que l'on connaît, je vous suggère de le laisser tomber parce que ce qui se trouve dans les enseignements francs-maçons, rosicruciens et autres a été en général inversé à un moment donné. Et de toute manière, pour passer d'une séphira à l'autre, vous passez par des canaux
qui sont habités d'entités qui vous possèdent quand vous passez de l'un à l'autre. Si vous n'avez pas pris vos précautions, si vous n'êtes pas capable, si vous débutez, je pense qu'on se fait piéger. Et ça, c'est un mage noir hein, qui nous l'a dit. Donc, a priori, lui, il sait de quoi il parle parce qu'il bossait pour les Illuminati avant. Et comme ils l'ont niqué financièrement avec l'affaire de bancaire sur l'île, vous savez, ce paradis fiscal à Malte, il me semble. Il avait des comptes en millions, là, et il a tout perdu du jour au lendemain. Il a un petit peu gros sur la patate. Non, il a dit, il va t'arrêter, quoi. Et donc maintenant, il propose des moyens de lutter contre le nouvel ordre mondial Illuminati, Rothschild et autres, famille royale et tout ça. Sauf que sa méthode passe par une affiliation à lui. Et ça me gêne énormément. Surtout que, bon, vu son langage, il est loin d'être angélique, hein, c'est clair et net. Il est loin d'être angélique. Alors, il donne peut-être des moyens pour s'en sortir en passant chez lui, vous voyez. Et il y en a plein qui font ça. Hein. Ils disent, avec moi, on lutte contre le mal, sauf que, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le bien non plus, quoi. Donc, restez vous-même, moi, je dirais. Soyez théoricien, ouais. Commencez par être théoricien. Quand vous allez tomber sur une théorie qui vous plaît, vous pourriez toujours approfondir, mais pour l'instant, soyez théoricien. Sachez de quoi ça parle, mais ne vous investissez pour rien au monde là-dedans, parce que pour en sortir après, ce n'est pas possible. Et en général, ce n'est pas vraiment possible. Je ne dis pas que ce soit définitif, mais oui, ce n'est pas possible. Au niveau où j'en suis, en tout cas, ça ne l'est pas, a priori. Bon, ça l'est parce que je ne suis pas rentré dedans, mais et puis ça l'est parce que moi, je suis peut-être un peu spécial. Je n'ai pas tout défini ce que j'étais, en plus, encore. Je ne tiens pas à le faire, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. J'ai un peu peur, en fait, je crois, ouais. Donc, j'ai encore du travail, vous voyez. Non, je ne suis pas, un goulou. Goulou de goulou, non, pas un goulou. Ah, si, goulou. Cheers. Oui, c'est essentiellement du jus d'orange. Essentiellement. Mais vous avez chez moi, hein, ça, c'est de l'eau pure à 96%. Et ça, c'est un secrétaire à 100% désintéressé, ça. 100% désintéressé. Ah, mais quand je rigole, il veut participer. C'est ça, hein? Il est content, le patron, pourquoi? Pourquoi il est content, le patron? Je ne suis pas ton patron. Ton gardien, on va dire. Si ça se trouve, c'est lui qui me garde à certains niveaux subtils auxquels il a plus de facilité à pénétrer que moi, sans prendre des substances, on va dire. On continue. We were once upon a time a species. Nous étions, il était une fois, une espèce. Ah, en relation avec le soleil de diamant, avec un corps organique à 12 brins d'ADN, si je traduis ce qui est sur la gauche. That was immortal. Immortel. Our bodies did not die. That is not a natural condition for the human body form. Qui ne meurt pas, mais qui n'est pas dans des conditions naturelles compatibles avec la forme humaine. However, we've been dying for a very long time on this planet. Non, ça fait très longtemps que l'on meurt sur cette planète. Et la raison pour laquelle nos corps meurent sur cette planète, il faudrait qu'elle précise là, je pense. Ben, nos corps, c'est ça, quoi, c'est l'avatar que vous reconnaissez comme étant Pam, là. Pam de terre, Pam d'éther.
femme des terres lointaines. Et pomme de tiers quand je suis un petit peu tranchant, oui, d'accord. Ça, il faut être amateur de la guillole et autres pour connaître. Reprenons. C'est donc une mutation génétique qui s'est produite dans les niveaux profonds de ce tableau d'évolution d'ADN, on va dire, template, de nos corps vis-à-vis de la grille kétérique. And because of that, literally, the way our chromosome structures evolve, the way our genes. Et à cause de ça, littéralement, le chemin que suivent l'évolution de nos chromosomes. Encoding chemical terms evolves is not. Cet encodage chimique évolue. What it was intended to be, it is not functioning on its original divine blueprint. So we. Ne fonctionne pas selon le design originel divin. Et nous nous retrouvons nous-mêmes piégés en tant que conscience dans une forme corporelle qui a une très courte durée de vie et qui en plus, j'y rajoute en plus, se détériore rapidement, enfin rapidement, pas plus ou moins, mais ça dépend, là actuellement avec les spritz, oui, rapidement, se détériore sous nos yeux rapidement. Donc maintenant, paragraphe sur le covenant, c'est un accord, c'est un traité, un accord. Donc, on va dire l'accord d'émeraude. Oui, 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 les tablettes d'émeraude, ben, l'émeraude, là, ça vient de là. Oui, quelque part, il me semble bien. Donc, ça, c'est les enseignements du Christos interne et de la biorégénérescence. C'est la biorégénérescence Christos en 12D. Mais 12D, c'est. J'aurais dû mieux traduire tout à l'heure parce que là, je ne sais pas si c'est densité ou dimension. Ben, c'est peut-être pas très grave pour l'instant puisqu'on est dans le théorique de toute manière. Mais néanmoins, gardez ça à l'esprit que si ça se trouve, ce n'est pas 12D, 12 dimensions, mais 12 densités. Et je pense que c'est 12 dimensions parce que là, quand on dit 3D, c'est 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Mais nous, on n'est pas en 3 dimensions. Là. Notre corps est en 3 dimensions, mais notre vie sur ce cadre en trois dimensions, est déjà en plus de dimensions. Vous voyez, on est quand même multidimensionnel. On a d'autres corps que notre corps physique. On a des corps subtils qui, eux, suivent une autre progression là, jusqu'au bouddhique, kétérique, vous voyez. Mais pas chez tout le monde, hein. Il faut les construire. Hein. Enfin, moi, il me semblait, et puis Thomas Williams en a rajouté une couche, il me semblait, c'est Gurdjieff qui parlait de ça. Il dit, si vous n'accumulez pas l'énergie nécessaire à la croissance d'un corps subtil, à partir du moment où déjà le physique tourne bien et n'est pas en manque d'énergie. Hein. À ce moment-là, il peut créer un deuxième, puis un troisième, enfin le deuxième crée un troisième, qui crée un quatrième, à condition que chacun toujours aille bien. Or, ce qui se produit, par exemple, c'est qu'en général, dans notre vie, là, très rapidement, on abuse d'un manque d'énergie dans un certain système qui va piocher l'énergie là où il y en a, et donc diminuer les capacités de ces énergies, de ces niveaux d'où elles tirent l'énergie, de créer d'autres en plus. Et ça correspond aussi à l'évolution ésotérique de l'humain, telle qu'on a fait une vidéo issue d'un texte de Thomas Williams,
quant au développement justement spirituel de l'humain, spirituel mais ésotérique en même temps, hein, subtil, au cours des âges. Et que si à 7 ans n'avaient pas été créés déjà les corps 4 et 5, on va dire, il y avait fort peu de chances qu'ils se développent par la suite. Et petit encart, c'est la raison pour laquelle, enfin encart dans encart, c'est la raison pour laquelle les méchants essayent de nous casser cette évolution-là en bas âge, de façon à être sûr que de toute manière, on ne va pas évoluer au-dessus, parce que si on évolue au-dessus, on évolue à des niveaux qu'eux ne peuvent pas accéder pour d'autres raisons, hein, parce que eux, là, les Illuminati sont issus de lignées qui ne marchent pas dans ce sens-là, elles sont bancales. Hein, c'est à ça qu'on reconnaît un mensonge, en fait, c'est parce que son champ électromagnétique est bancal par rapport à quelque chose qui est vrai, dont le champ électromagnétique est intègre et stable. Hein, je sais bien que c'est un peu abstrait là, mais c'est à ça qu'on le sent. Vous voyez un truc de beau, son champ électromagnétique, il est stable. Vous voyez un truc, vous sentez un mensonge parce que le champ électromagnétique que vous percevez là est bancal. Vous sentez qu'il y a un truc qui... Et un champ magnétique bancal, il a besoin de se nourrir ailleurs pour se rétablir. Et c'est pour ça qu'on va excuser les méchants vampires énergétiques, parce que ce n'est même plus leur faute. Ils sont dans un cercle vicieux de chute constante. Ce n'est pas vraiment leur faute maintenant. Ce qui est leur faute maintenant, c'est de ne pas décider de changer le système dans lequel ils vivent. Ça, oui. Vous voyez, mais bon, soyons tolérants, vous avez remarqué entre nous là, qui est pur à 100%, qui est intègre à 100%, qui n'a jamais failli, hein, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ah, intéressant, non? Oui, oui, mais je vais souvent faire des références comme ça à ce bouquin que je n'arrête pas de critiquer. Pour ceux qui prendraient cette vidéo comme première dans ma série, chez moi, sur mon site, mes sites, il y a de très bonnes choses dans la Bible, il y a plusieurs enseignements, et c'est aussi bourré de conneries, et bourré de pièges, et bourré de programmations psychologiquement invalidantes, qui sont bien faites pour, et qui me prouvent, enfin, qui sont une preuve de plus que ces enseignements religieux sont faits pour nous brimer, nous brider, nous contrôler, et ils ne sont pas sains, de manière claire et évidente. Allez, on reprend. Il faut vraiment trier tout le temps, quoi. Il faut constamment ressentir dans notre cœur et dans notre... Oui, dans notre cœur. Moi, je me sers du cœur et de l'esprit. On réfléchit et logiquement, on voit que sont instillés des éléments profondément néfastes. Donc, ça vous amène à une conclusion. Qui a écrit ce bouquin dans lequel il y a des trucs profondément néfastes qui sont intégrés? Et il nous dit qu'il est là pour notre bien. Alors, un, vous regardez l'état de la planète, vous dites oula, oula, et qu'on ne me dise pas que ce soit parce que c'est parce qu'on s'est éloigné d'une religion qui, de toute manière, n'a fait que des guerres, n'a provoqué que des guerres. Et en plus, c'est arrivé il y a 7000 ans, mais l'humanité est beaucoup plus vieille que ça. Et elle allait très bien avant cette invasion d'entités polydimensionnelles qui ont infecté quelques-uns. Et puis, ils sont peut-être servis, ils ont peut-être balancé un astéroïde dessus, vous êtes en état de choc que si vous récupérez, si vous êtes encore vivant après. Et dans cet état-là, voilà, vous avez déjà du mal à vous nourrir. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas à 100% esprit critique. Hein, non. Vous commencez par essayer de trouver à manger, à vous abriter, tout ça, quoi.
dans un état traumatique où en plus on a pu nous déjà ou encore nous mettre dans une grille électromagnétique de contrôle qui vous met en état second. Je ne vais pas dire alpha là, second. Vous n'êtes plus à 100% de vos capacités de conscience, vous êtes à, je sais pas, ça dépend des grilles. 80, 70, 50, 30, certains ils sont à 2%. Hein. Franchement, ils sont à 2% de niveau de capacité de conscience. Là. D'ailleurs, ils vont voter pour les mêmes crétins qui ont essayé de les assassiner depuis 5 ans, ils retournent. Vous savez qu'il paraît que 96% des votants pour... L'autre enflure, son vax deux ou trois fois, ils n'ont plus leur tête. Alors, j'ai eu un bon commentaire qui me disait qu'il n'y avait pas déjà avant. Oui, effectivement. Oui, en effet, il ne l'avait pas non plus déjà avant. Mais je ne voulais pas être aussi cinglant. En tout cas, ça va être difficile pour eux de revenir et pour nous de les tolérer hein, maintenant. Parce qu'ils sont dans un état mental où ils sont contrôlés, ils sont contre nous. On est devenu un ennemi. Ils ne se rendent même pas compte. Rappelez-vous, Montagnier, il a quand même dit « L'avenir appartient maintenant à la survie de ceux qui n'ont pas été vaccinés parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir rétablir, enfin, que l'humanité va pouvoir récupérer. » Ouais, c'est évident. Ça va demander des transfusions et des transfusions. Hein. De sang qu'il ne faut pas faire. Hein. Vous savez qu'il ne faut pas faire ça. Les gens qui ont fait des transferts d'organes, ils finissent par adopter une partie de la mentalité du donneur d'organes. Oh ben, si c'est un Bouddha qui meurt, vous êtes mieux qu'avant. Mais en général, les morts, et surtout si ça vient d'un organe en provenance des geôles chinoises, c'était un criminel. Ou c'était un Falun Gong, peut-être, hein, ou d'autres personnes très saines d'esprit et à la conscience belle, on va dire. Et donc, auquel cas, vous allez avoir un boost en plus. Mais néanmoins, il y a un problème. Donc, je suggère de remplacer les transfusions sanguines par les transfusions d'eau de quinton. Ah, papa, il ne faut pas parler de quinton non plus. Hein. Je suis sur YouTube, là, quand même. Hein. Eh oui, c'est interdit par Big Pharma et YouTube suce carrément toute la journée Big Pharma. Quoi. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait, à chaque fois qu'on me censure une vidéo, leur dire « Et préparez-vous, je vous suggère de vous préparer pour le Nuremberg 2.0, hein, parce que votre attitude est carrément criminelle. Vous m'empêchez de dire la vérité alors que flagramment sous vos yeux se déroule un crime de masse. » Oui, YouTube, Google, Facebook, toutes ces saloperies, là, Twitter. Alors, je ne sais pas ce que va faire Elon Musk avec Twitter. Mais Elon Musk, je suis désolé, il se prend pour l'antéchrist. Ah, rien à voir avec le truc christique d'aujourd'hui, là, mais antéchrist, c'est-à-dire, je ne sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il lui attribue une valeur positive. Hein. Mais enfin, bon, il a dit, pour lutter contre l'intelligence artificielle, il va falloir que vous fassiez implanter des Neuralink. Ok, je vois l'histoire. Et ta sœur, tu me la présentes quand? Ah, t'as pas de sœur? Non, d'ailleurs, il est gay, hein, en fait, Elon Musk. Les photos de famille que vous avez vues, c'est tout du fake. Regardez Miles Mathis. Miles W. Mathis. Il s'appelle M-I-L-E-S. Miles. W. Point, on va dire. Mathis, M-A-T-H-I-S. C'est une pointure, ce gars. C'est un génie. C'est un génie en peinture déjà. Ouais, comme j'ai honte de mes tableaux là. Mais... Ah, par rapport à ce qu'il a fait lui, my. Mais c'est un Raphaël, un Michelangelo. C'est un Michelangelo, il touche à tout. Il touche vachement en généalogie, il a étudié la généalogie de tous nos donneurs d'ordre. Ouais, ils viennent tous de là-bas, tu sais. Crypto-Khazar, hein, j'entends. Hein. Hein, essentiellement, tous, même Napoléon. Et il remet en cause plein de faits de
ce postulat en physique aussi. Et il n'a pas tort. Les physiciens actuels, ils travaillent, je ne sais pas moi, ils travaillent sur une aire d'autoroute au lieu de parcourir l'autoroute. Ils sont sur une voie de garage. Ils tombent sur des valeurs qui atteignent l'infini, ils décident de les rectifier, donc de les annuler. Ils les ignorent. Comment ? Donc, au lieu de parler d'un train, d'un TGV qui roule à 500 km/h, ils vont parler de quoi ? Ils vont parler du service café dans le wagon restaurant. Ça, c'est ça qu'ils font. Non, même pas. On va dire train pour train, parlons du tortillard qui tournait au café dans les Andes. Je ne sais pas, ils sont à côté de la plaque. Quoi. L'anomalie solaire, plus on s'éloigne du solaire, plus il fait chaud, plus on s'éloigne du soleil, plus il fait chaud. C'est une anomalie solaire. Nonobstant ceci, continuons notre théorie fausse. Non, mais c'est ces gens-là qu'on paye avec nos impôts. Hein. C'est ces gens-là qui empêchent les technologies Tesla d'être affirmables, contrôlées, développées. Donc, ces gens-là sont au service des racketteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire, qui veulent absolument nous tenir non seulement dans la pollution, mais en plus dans le maintien. Parce que, hop, ils n'ont qu'à augmenter les prix, puis il n'y a plus personne qui roule. Ces gens-là, les milliardaires qui veulent faire respecter l'esprit de la propriété, alors qu'ils ont tout volé pour arriver à ce niveau-là. Et je m'arrête là, hein, mais ces gens-là, là, ils viennent des lignées qui sont plutôt... vous voyez ? Ces lignées qui viennent des autres, là. Ils tournent à l'envers, quoi. Ils sont déséquilibrés. Ils ont besoin de prédater l'extérieur. C'est les parasites. La lignée des parasites, la famille des parasites, hein, il y en a plein de genres. Parce qu'ils n'ont pas arrêté de se multiplier aussi. Bon, on reprend, hein. On s'est un peu éloigné là pendant un petit quart d'heure, ça vous a permis d'aller aux toilettes. Bon, ben, tu te fous de ma gueule, toi, tu vas au coin, là. Allez, fais-toi quand même un petit café, ça te remettra d'affaire. Now, indigo children, which is... Alors, à propos des enfants indigo. Actually, they're called orophim. Qu'on appelle aussi des orophim. The indigo children, that word, that buzzword they use this day and age for this new wave of babies that are coming in. It's not just babies. C'est ce nom dont on appelle les nouveaux bébés nés là, mais ce n'est pas juste des bébés. They've been coming in for 100 years and they've been a grail line here. Qui arrivent depuis une centaine d'années et dont il y a ici une lignée du grail. Du Graal, hein, sacré Graal. Hein. For millions of years. Depuis des millions d'années. It's called the Aeonic Grail Line. Qui est appelée la Aeonic Grail Line. La ligne Grail Aeonic. And they are Orophim, Lyrian Syrian Orophim. Et ce sont des Orophim, des Lyriens Syriens Orophim. Alors, Lyrien de la constellation de la Lyre, Syrien de la constellation de la Lyre, d'où l'humanité est issue. Hein. Il semblerait. Consciousness, the original founders race consciousness. They were the first forms created before. She's called the Aeonic Grail Line. And they are Orophim, Lyrian Syrian Orophim consciousness, the original founders race consciousness. They were the first forms. Qui sont les originels fondateurs de cette conscience? Created before humans were created. Qui ont été créés avant que les humains ne soient créés. They were the founders races. Call them the founders races. Qui ont été appelés les races fondatrices. Because the human imprint in the 12-strand DNA. Parce que l'empreinte humaine dans l'ADN à 12 brins. Template came out of their larger DNA templates that had.
provient de leur propre tableau d'évolution de l'ADN. From 24 to 48 strand template capacity. Qui lui-même provient d'un ADN de capacité à 24 ou à 48 brins. So the indigo children now are actually the ancient ones. Alors les enfants indigo actuellement sont plutôt, pourraient être nommés les anciens. Coming back in the form and bringing up, qui reviennent dans une forme qui nous ramène a potential back. Notre potentiel. There's enough of the 12 strand of the higher strand. Parce qu'il y a assez de quantité de ceux qui ont 12 brins ou plus des plus hauts. 24 to 48 strand indigo. Jusqu'à 48 brins children, parmi ces children, ces enfants indigo, qui permettent à l'activation planétaire durant l'activation solaire, je dirais, we will generate so much frequency in qui génère the race, tellement de fréquences que la race, morphogenetic field, or the race, ou en tout cas le champ morphogénétique de la race, its template, the shield, that it will begin to clear and purge all the distortions out of the 12 strand. Oh là là, attendez. Va nous permettre de passer au-delà des distorsions pour récupérer l'ADN à 12 brins. Standards that most of the human population have the 12 strands. So they came in. Car for la plupart de la population humaine a un ADN à 12 brins. Reason they're on a rescue mission to reset the 12 strand pattern for the 12 strand. Et ils sont sur une mission de secours pour réensemer les informations permettant de tout ça. On va reprendre quand même là. We will generate so much frequency in the race morphogenetic field or the race template, the tribal shield, that it will begin to clear and purge all the distortions out of the 12 stranders that most of the human population have the 12 strands. So they came in for a reason. They're on a rescue mission to reset the 12 strand pattern for the 12 strand people and also to run the frequencies of the higher Hiroshain Kundera currents, primal light sound currents into the grids. But wow. Mais elle parle quelle langue là? Bon. Donc, ces entités là sont censées permettre aux humains disposant d'une capacité de 12 brins de la récupérer. Je traduis en diagonale, hein. J'espère que je ne me trompe pas. Every human was originally, if you're a human soul, you were designed on a blueprint that holds 12 dimensions of frequency, 12. Si vous êtes un humain original, vous aviez une disponibilité à avoir accès à 12 dimensions d'ADN. Dimensions of consciousness, that's avatar. Et de conscience. Consciousness. Four out of the five Kuva bodies would be activated and circulating energy. Quatre de parmi les cinq, mort de rire, je comprends plus rien. You're breathing energy through your being. Now, we have a real interesting situation. Là, laissez tomber, je ne dirai pas. Eh ben non, je traduirai pas. Non, mais alors, ça va, tu l'entends là? C'est quoi ce gargouillis de truc là? Mais, hein? Qu'est-ce que ça passe? Vous le voyez lui là? Hein? Hein? Il est mort de rien ou quoi? Hein? Oui, on s'en fout nous, hein? Hein, on a des calinouilles. Oh, les caninouillages, les caninouillères. Ça, mon Dieu. Hein. Oh là là, c'est fatigant, je ne vous explique pas. Hein. Moi, ça m'épuise. Hein. Heureusement qu'il ronronne. Ouais, il ronronne. Il me soutient, vous voyez. Il vous aide. Hein. Il y a un cram-cram là. Attends, il y a un cram-cram. Et cram-cram, hein, on est dans la forêt, nous. Allez, on reprend. Vous voyez, ça va mieux, là, de coup. Vous voyez, petit coup de cram-cram et hop. On our planet right now. Allez, on four out of the five Kuva bodies would be activated and circulating energy and breathing energy. Ah,
En tout cas, quatre de nos corps subtils vont être réactivés et disposer de cette énergie. Now, we have a real interesting situation on our planet right now because. Alors maintenant, on a une situation vraiment très intéressante sur la planète actuellement. Everything is walking around in a human body, or looks like a human body. C'est que tout ce qui tourne comme ayant un corps humain ou semblant avoir un corps humain. Et là, vous regardez l'image sur la gauche. Hein, et ce personnage, effectivement, c'est un homme politique qui discute. Et à un moment donné, il a une pupille qui shift. C'est pas le seul. Hein. Enfin, lui, je ne connais pas vraiment, mais une interview du directeur du CERN de 2015, me semble-t-il, je vais dire 2015, mais je n'en suis pas sûr, montrait le gars, à un moment donné, avoir des pupilles carrément reptiliennes, un petit peu comme Jana de Alatra TV. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'intervieweur, le journaliste, lui disait, et nous, qu'est-ce qui nous... Le journaliste fait partie du même club que ce genre de gens-là, le directeur, et le journaliste aussi avait les pupilles. Eh, c'était fort en chocolat, ça. Je l'ai, la vidéo, quelque part, sur un disque dur perdu. Et je signale au Men in Black que mes disques durs sont perdus. Alors là... Je n'allais même pas les chercher. Perdez du temps. En plus, si mon secrétaire en chef vous croise, ça va mal se passer. Hein, parce que moi, je lui trempe les griffes dans les néonicotinoïdes du voisin agriculteur et il vous attend. Hein. Oh, la nicotine, ça nous réussit à nous. Ça lutte même contre le Covid. Alors. Mais ah, la bonne nicotine. Et de deux, naturel bio, donc rien de ce qui sort de vos industries. Bon. Et lui, il s'en fout. Hein. Ce qui comptait, c'est qu'il vienne pondre un œuf là au milieu et le couver surtout après. Mais non, non, mon vieux. Non, on n'est pas question. Allez, on reprend. Ça va, il est là. Il vous dit, mais il le maltraite et il le monte, il le descend, le pauvre petit. Il n'arrive pas à dormir, il ne fait pas son sommeil complet. Hein? Il n'a pas son cycle de sommeil complet. Ça lui apprendra à me réveiller toute la nuit. Il n'a qu'à dormir la nuit. Ouais, bon, mais il n'y a pas que lui, hein. J'en ai cinq. Alors bon. It isn't necessarily human. That's one of the things when you're deformed. Donc ces gens-là ne sont pas nécessairement humains. Perception starts to turn on and your fourth strand starts to activate. You're walking down the street and all of a sudden you're seeing lizard faces flip through people and you're thinking. Quand vous passez d'un niveau de perception dimensionnelle de 3 à 4 ou 5 grades, graduant, graduation, strip, vous commencez à percevoir parmi nous des humains qui ont que l'apparence humaine, mais qui n'en sont pas, en clair, des shapeshifters. Oui, faut bien camoufler, quoi. Losing your mind. Because did I just see a lizard look at me from that person? No. You think you're... Et vous pourriez penser que vous avez perdu votre esprit en vous disant, en vous demandant ce que vous avez vu, mais non, non. Not for a while. That's when your fourth strand is kicking in and showing you what the person really looks like, what that soul is. C'est quand votre quatrième brin d'ADN, si j'ai bien compris, interfère quelque part avec vos perceptions, de manière à vous montrer vraiment ce que vous pourriez voir avec un spectre électromagnétique de perception plus développé. Right now we have reptilian souls on the... Alors, ce qui est très intéressant sur l'image que vous voyez là sur la gauche, c'est que là, maintenant, il a les deux pupilles circulaires. Bon, il y a un petit décalage là, sur le haut, comme une virgule, mais... Ça, c'est sur le côté, ça n'a rien à voir avec la pupille de tout à l'heure. Petit calme, mon petit vieux, là, tu me gonfles. Parce que nous avons des âmes Anunnaki sur la planète qui sont d'une toute autre source,
toute autre génétique, on va dire, que ne sont les humains. We have a whole bunch of souls on the planet. On a tout un paquet d'âmes sur la planète. Masquerading as humans. Qui se déguisent en tant qu'humaines, qui se font passer pour des humaines et qui n'en sont pas. Now, it's kind of funny because the ones that are humans on the planet and the indigos who also. Et c'est drôle, si on peut dire, parce que ceux qui sont réellement humains et les indigos, look like humans. Qui ressemblent à des humains, none of us look like humans. Aucun d'entre eux ne ressemble à des humains. What we're looking at, what we see now, the race as it is now, ce à quoi on ressemble is so mutated. Est tellement muté. It hardly resembles what it used to look like. Elle ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle ressemblait. Human beings and indigos were les êtres humains et les indigos beautiful. They were very, sont magnifiques. Very tall. Très grands. They were quite lean. They were plutôt maigres ou longilignes. Breatharian. Ils sont pranaïstes. Ils se nourrissent du chi. Which means they didn't have the internal apparatus that we have right now. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas le système organique intérieur actuel que nous avons actuellement. En cas, je vous ai déjà dit que si vous êtes au bout d'un moment, ben, au bout d'un moment quand même, hein, quelques années, que vous êtes pranaïste, Sungazer, je rajoute en général, parce que je pense que c'est un bon complément d'être Sungazer quand on peut l'être et quand il y a du soleil et quand le soleil est visible et pur. Ça devient rare, hein, avec les chemtrails. Ça, c'est un truc de plus à l'usage des chemtrails. Hein. Je vous dis, c'est une pierre 45 coups. Ils font d'une pierre 45 coups. Ils font d'une pandémie 45 coups pour arriver au reset, Ils nous diminuent, ils nous crachent l'économie, politiquement, ils changent tout. Il y a 45 effets positifs dont ils peuvent jouir à la suite d'une action. Une action qui est déjà un peu multiple elle-même, mais bon, une action. Alors, les pranaïstes, oui, pranaïstes, Sungazer, c'est-à-dire sont les gens qui ne mangent plus. Hein. Ce n'est pas qu'ils ne mangent plus, en fait, c'est qu'ils se nourrissent autrement. Au lieu de se nourrir de nourriture physique, ils se nourrissent de nourriture électromagnétique, que ce soit le chi ou l'électromagnétisme solaire, d'où le sun gazing, qui me paraît très complémentaire, en tout cas pour nous aider à arriver à ce niveau-là. Et ça marche, hein. Ça marche même à tout âge, mais allez-y doucement. Et si ça ne fonctionne pas, vous arrêtez. Vous ne faites pas de mal. Quand vous devenez pranaïste, votre poids tombe. Il faut qu'il s'arrête de tomber à un moment qui s'arrête à un niveau, pas excessif, hein, que vous ressembliez encore à un humain normal, hein, pas décharné, tout ça, quoi. Vous perdez quelques kilos, mais pas tant que ça. Et ça doit s'arrêter là. Si ça ne s'arrête pas là, vous reprenez une alimentation progressivement, hein, et ce coup-ci, des plus saines tant qu'à faire, hein, si vous avez l'occasion et la possibilité. Les possibilités. Reprenons. They came in various skin colors, all the skin colors on the planet. Donc, ils sont arrivés ici sous différentes formes de couleurs de peau. Right now, are representative of the primary races. You had, you know, red skin. Toutes les formes de couleurs de peau que nous avons aujourd'hui sur la planète sont issues de races originelles. Red skin, black skin, white skin. They were. On a eu des blancs, des noirs. Equal. Des rouges, des jaunes. Je crois qu'il y avait des bleus même à l'époque. It wasn't that whites were supreme and blacks were apes. I mean, some of the new age stuff actually. Non, ça n'a rien à voir avec une évolution darwinienne telle que les singes ou quoi. Teaches that the black people came out of apes. It's like talk about problems. Est-ce que les blacks descendraient des singes et ça va pas, non? But these guys, no, black people. There is a whole gray line, genetic gray line of
vous inquiétez pas pour les noirs, il y a toute une ligne Grail génétique originelle. Very, very high ascended masters. De maîtres hautement ascensionnés, on va dire. That are in black skin form here. Qui sont ici sous une forme de peau noire. They're the same in red skin form. Il y a la même chose pour les peaux rouges. Which it comes to like Native American or dont on connaît les Américains natifs, enfin les Amérindiens, on va dire. Native North American type. Du nord de l'Amérique. Indians. Les Indiens. So there's a diversity that's still in the gene code. Donc il y a une diversité qui est toujours intégrée dans les codes génétiques. There is a whole bunch of coding we're carrying in our DNA. On a toutes sortes de codages donc que l'on porte dans notre ADN. And right now, most of us couldn't figure out if we were a human soul in us. À un tel point qu'aujourd'hui, c'est très difficile de définir si nous avons une âme humaine. In my human body, or if we're dans un corps humain. Anunnaki or Draconian. Ou un Anunnaki ou un Draconien. Or what? Because the people who quoi? Are lizards in human bodies don't know they're lizards, and they couldn't figure out if we were a human soul in a semi-human body, or if we were Anunnaki or Draconian or what? Because the people who are lizards in human bodies don't know they're parce que les gens qui sont des lizards dans un corps humain lizards, and the people ne savent pas qu'ils sont des lézards. Who are Anunnaki? You don't know they're Anunnaki. Ainsi de même pour les Anunnaki qui ne savent pas qu'ils sont les Anunnaki dans une peau humaine. Ceux qui sont sous forme humaine hein, actuelle. A lot of the people that are learning this stuff would be afraid to find that out because I don't know. That means I have no petit encart là. À propos du remote view du Farsight sur Poutine et son environnement proche, son cercle proche. Lui, avant de s'incarner en tant que Poutine, le Poutine actuel hein, a priori, il était déjà à la tête d'une gestion d'humains. Voilà. C'est comme s'il avait intégré un poste pour lequel il avait déjà des prédispositions, on va dire. Et je parle du Poutine actuel parce que ce n'est pas le Poutine qui est sorti du KGB que l'on connaissait il y a 30 ans. D'accord? Ou pas? D'ailleurs, ça se voit sur les photos. J'avoue qu'il y a de temps en temps un sosie qui prenne sa place pour quelque représentation à l'extérieur ou ci ou ça. Mais néanmoins, il change trop de tête, là. Il faut arrêter de déconner. Et des fois, il est bouffi comme si le pouvoir en avait créé un Pompidou de fin de règne, là. Règne, façon de parler. Pompidou, ancien secrétaire de la Banque Rothschild, hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Lui-même ayant fait passer la 73 qui nous a mis sous la coupe des Rothschild. Ouais, ben voyons. Tiens, je ne vous rappelle pas quelqu'un, là, je ne me rappelle plus qui, là, qui bossait pour chez Rothschild et puis qui est devenu président. Je ne vois pas. J'ai beau chercher. Tu as une idée? Il tourne la tête. Il me regarde, l'air condescendant, en disant « t'es vraiment trop con ». Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « de quoi tu parles ?» Bon, reprenons. That's right. So, I'm bad. No, it doesn't. At this point, we're in a situation on the planet where our DNA holds. À un tel point que nous sommes dans une situation sur la planète actuellement où notre ADN comporte encore de nombreux mystères, dont certains très effrayants. Et dont il serait effrayant de savoir à quel point, d'où ils viennent. Et quelles sont les parties qui composent réellement notre ADN. Yes, you incarnated out of a draconian soul matrix, which means you're reptilian. Et que si ça se trouve, vous êtes incarné ici en étant issu de la matrice des âmes reptiliennes ou draconiennes. Does that mean you're a bad person? I mean, most. Et ça ne veut pas dire forcément que vous êtes une mauvaise personne. That's right. Bon, pour une certaine partie, oui. No, that's right. Mais pour d'autres, non.
Most of the people on the planet right now that are not human consciousness or indigo. Et la plupart des gens sur cette planète qui aujourd'hui ne sont pas dans une conscience humaine ni indigo. Consciousness are out of two other groups. One proviennent essentiellement de deux autres groupes. And both of them happen to be fallen angelic groups. The people. Deux groupes qui font partie des anges déchus ou des anges tombés. People that are in human form. Alors, petit encart, là, sur la gauche, il y a les deux principaux groupes tombés. Il y en a un qui se réfère au Black Sun, pardon, et l'autre au Sun de Belle-Île. Et pour le Black Sun, c'est le Black Sun à 12 brins d'ADN inversés, et le Soleil de Belle-Île, pardon, B-E-L-I-L, lui, c'est 10 brins dont une partie et de l'ADN renversé. Came out of the fallen angelic groups were parts of those collectives that wanted to get their Christos imprint back, and they were trying. Et une partie de ce groupe de déchus fait partie de ceux qui veulent ramener l'esprit Christos. Run away from the nasty fallen angelic groups that they had been. Et essaye de se distancier du groupe principal des anges déchus. Des déchus tout court, part of. So they dont ils font pourtant partie. Get out of those groups to get in the human form. What's called the biogenesis program. Et ce programme appelé biogenesis qui leur a permis de prendre une apparence humaine. To get their 12 strand imprint back. De manière à essayer de pouvoir récupérer leur empreinte à 12 brins. They're the ones who have been chased by the fallen angelic races. Sont eux-mêmes qui ont été chassés par les races because they were tombés, déchus. Incarnated out of those groups to get in the human form on what's called the bioregenesis program to get their 12 strand imprint back. They're the ones who have been chased by the fallen angelic races because right. They were like members of their own that they controlled who escaped. From the prison camp, and they came over to the other side. So, c'est ceux qui nous empêchaient de sortir du camp de prisonniers et qui finalement sont passés du côté des prisonniers de ceux qui ne voulaient pas que nous soyons nous-mêmes, donc on va dire christiques ou cristalliques, si j'ai bien compris. Donc, on a des renégats parmi les anciens gardiens. Les anciens gardes-chiourmes, les anciens matons. Là, si aujourd'hui les matons arrivaient à faire la part des choses et à définir quels sont les taulards actuels qui en fait sont là pour des raisons politiques ou on va dire religieuses, spirituelles, par rapport à cela, ceux qui sont là pour des questions de droit commun pur en tant qu'entité STS au service d'elle-même. Qui ont fait que se nourrir sur les autres sans empathie, si ces matons-là ont rejoint la résistance, les gens bien, qui sont entôlés, qui essayent de s'évader, nous quoi? Il y en a parmi eux qui, a priori, de temps en temps, et ils doivent faire fi ça parce qu'ils ont connu des services, puisqu'ils appartenaient aux services, donc les services, ça se trouve sur eux. Donc, ils ne vont pas se déclarer ouvertement, je suis un ancien des services. Eux. Et puis, de toute façon, les services tels que nous, on les conçoit, ils n'ont pas été conçus avec des gens malsains d'emblée. C'est plutôt des gens qui pensaient bien faire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'heure de la bouffe, mon vieux. Allez, calme-toi. Right now, even though we will teach you through the Katara program, in particular through the Templar. Et maintenant, même si vous enseigne sur le programme catharique ou le programme des Templiers, alors là, c'est un niveau Templier qui a sûrement un rapport avec les Templiers d'aujourd'hui, mais pas celui qu'on connaît. Program. We'll
teach you about this genetic distinction that exists. Qui vont faire, qui vont permettre un enseignement sur cette distinction génétique. We might all look like we have human faces on, but the reality of what's going on is we are not all human consciousness. And et nous permettrait de différencier justement entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas, car quoi qu'il en soit, nous n'avons pas tous, malgré notre aspect humain extérieur, la même profondeur humaine. Hein? Vous comprenez? That's okay. Now, we have to be aware of what the draconian agendas are, and we teach that, that. Maintenant, il nous faut être conscient de ce que sont les programmes, les agendas, les projets draconiens. Alors que là, sur la gauche, je vous traduis ce qui est écrit dans le schéma à propos des agendas justement d'hybridation et d'infiltration extraterrestre. Parmi les races primaires extraterrestres, les agendas, les humains, les tribus humaines, leur infiltration et les affiliations. Et malheureusement, ce n'est pas en HD, mais on peut voir plein d'espèces là. Il y a les Necromyton Androme, il y a les centaures lucifériens et les centaures bleus, il y a les états Rigel, Zemerlian et les états Reticuli, il y a les Omicron Dreandian, je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Il y a les Dracos, il y a les Zodédicron reptiliens, il y a les je ne sais pas, je vais essayer. Hein. Maldouk luciférien Anunnaki, il y a les j'arrive pas à lire, Deaman, Satan, Anunnaki. Il y a les Enlil, Ode, Dikron, Anunnaki. Il y a les Jehovian, Anunnaki. Il y a les Pléiadien, Yar, que j'arrive pas à lire, Luciferian, Anunnaki. Et il y a les Toré, Reno, Zephelium, Anunnaki. Vous voyez? Bon, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignées différentes, dont certaines comportent le mot Anunnaki dans leur dénomination, mais... Et donc, là, c'est le contrôle de porte des étoiles pour la séduction, assimilation de la race humaine de manière à muter l'ADN angélique à 12 brins pour un ADN galactique à 11 brins, ainsi que d'autres multiples agendas. Et ce qui est représenté dans l'image, dans le schéma, c'est quand même une troupe d'ovnis qui passe par une Stargate, soit naturelle, soit artificielle. Le trou noir là, dans lequel vous les voyez s'infiltrer ou en sortir. Il y en a des comme ça, des naturels, et il y en a des comme ça, des créés. Quand vous n'avez pas le niveau où vous servez des naturels, et quand vous avez compris comment ça marche, vous pouvez en créer. Ça, je veux dire, le CERN, c'est une tentative de créer ce genre de truc. Donc, après, c'est écrit « Guerre des étoiles », Star Wars, et c'est aussi marqué…
La résistance unie contre les envahisseurs depuis la matrice fantôme et le système de trous noirs déchus. Déchus, fallen, tombés. Je sais bien, là, vous avez l'impression que vous êtes en train d'essayer de décrypter du champollion qui a été codé, quoi, hein, qui vous excite les hiéroglyphes. Mais bon, je suis à peu près dans le même état que vous, sauf que ça fait 3 fois que je l'entends, donc j'en ai une perception un peu plus accrue, un peu plus pointue, mais... C'est pour ça que je vous disais que c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que la simplification abêtissante que l'on trouve dans les livres religieux, qui, de toute manière, ne traite même pas de tout ça, ou prend de temps en temps un élément de tout ça pour l'intégrer dans son histoire, sans expliquer d'où ça vient. Avec... Vous avez les mêmes noms qui correspondent à des gens différents, c'est parce que ils ne gardent plus qu'Anunnaki en ayant effacé tout le début de leur dénomination, par exemple. Et par Thomas Williams, on sait que les Anunnaki sont formés d'au moins 5 races. Hein, il y en a 2 humanoïdes, une avienne, une reptilienne et une insectoïde. Là, il n'y en a pas 5, là, il y en a 3, 4, 5, 6. Au moins 6 déjà. C'est bien écrit Anunnaki. Franchement, c'est le moment où j'aimerais bien avoir un grand écran pour pouvoir. Bon, tu veux venir ici? Il veut venir ici. Ah ben, tu traduis hein, maintenant. Hein. Allez, vas-y. In the Templar course, allez. What the Anunnaki agendas are, because they're taking agendas alors, that are trying to wipe out the other species. And that's... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Oh! Oh, ben, dites-moi. Bon, je fais une petite pause, hein, parce que alors, là, c'est peut-être l'heure de la bouffe en plus. Hein. Allez savoir. Oh! Je réponds en plus. Bon. Voilà. Eh ben, une fois de plus, j'ai été interrompu et je finirai pas cette vidéo parce que je suis plus dans le bain, je sais plus de quoi on parlait. Si, je me rappelle un peu quand même. Hein. Mais voilà, le temps a sérieusement passé. C'est maintenant 8h30 le 17 avril 2022. Et j'ai d'autres choses à faire, d'autres choses qui arrivent. Et de toute façon, je ne suis plus dans le bain, je suis désolé. Alors, on la reprendra peut-être, sûrement. Sûrement, parce qu'il me semble que c'est assez important pour mettre les idées au clair. D'autant plus qu'aujourd'hui, une grande partie de la résistance n'est orientée que sur tout ce qui sortait de ces histoires-là, mais de manière complètement frelatée. Mais officielle. Alors que jamais aucun n'a jamais eu ni le Seigneur, ni Dieu, ni quoi que ce soit, tout le monde revendique qu'il va venir nous sauver. Et ça va durer combien d'années encore, ça? C'est pas croyable. C'est pas croyable. Je suis déçu d'une manière hallucinante. Énergie libre, je dirais, pour finir. Hein? Énergie libre. Médecine interdite, médecine universelle. Là. Voilà, intéressez-vous à ça, là-dessus. Au moins, il n'y a pas de notion de Seigneur qui va nous aider, qui autorise ci, qui autorise pas ça. C'est quoi ces conneries, là? C'est quoi ces conneries? On est compte que chaque fois que vous interdisez un truc, en général, c'est pour vous brimer et vous empêcher de réfléchir en dehors de la boîte. Vous rendre autonome, vous êtes rendu compte? Ben, mon public, je pense que oui. J'espère que oui. Sinon, oui, a priori, il aura arrêté de me suivre depuis longtemps. De suivre mes vidéos, pas de me suivre. Hein. Bon.
Voilà. Alors, je me refais ma moustache. On dirait Sam le pirate. Voilà, là, c'est beaucoup plus. Regardez. Voilà, beaucoup plus correct. Oui, alors. Oh les cœurs vaillants et lucides. À très bientôt, on file entre les gouttes et les aiguilles, sauf les infusions d'aiguilles de pain. On continue, bien sûr. Si vous en avez besoin, c'est tout ça, hein, évidemment. Hein. Moi, j'en prends pas. Peut-être je devrais. Peut-être un de ces quatre, il y aura un coup de chemtrail qui me fera regretter de ne pas en avoir pris auparavant, juste pour préparer la chose. Bon. Je me rappelle des prophéties qui parlaient de cette poussière noire qui engluait tout. Ouais. Je me rappelle aussi avoir fait un léger rapprochement avec le graphène qu'on trouve partout. Il s'avère donc peut-être bien qu'ils ont tout empoisonné aussi avec des protéines issues des venins de serpents. Ouais. Ça fait partie un petit peu de la protéine spike, on va dire. Ouais. Je me fous de ceux qui refusent d'admettre que ça pourrait être ça. Dans 15 secondes de réflexion plus tard, et je me dis même, pourquoi est-ce que j'ai pris du temps pour lui répondre? Même parce que même s'il a pris déjà ses 2 ou 3 doses de vax, des fois qu'il lui reste une synapse intègre, on ne sait jamais. Hein? Mais bon... avant qu'il rentre chez moi, il va montrer par le planche, et puis plus qu'une fois. Hein. Non, mais ça va, ouais. C'est quoi ça? Donc, protégez-vous. Je suis désolé, hein, c'était prévu aussi, mais c'était évident, hein, c'était prévisible. Hein, ce n'est pas une prophétie inaliénable, c'était prévisible. Tu fous le why de telle manière que tout le monde ait peur les uns des autres. Tu vas séparer les couples, tu vas séparer les amis, tu vas séparer les familles, tu vas séparer tout. C'est évident. Hein? C'est surtout dans un pays où déjà tout le monde est séparé, moitié pour l'OM, moitié pour PSG. Alors l'OM, c'est qui l'a acheté? Je ne sais plus. Et le PSG, c'était le Qatar qui revend, hein, cette daube. Putain, la belle équipe de champions du monde qui ont tout gagné grâce aux pépettes, et aux magouilles, puisque ça a arrangé le gouvernement. Oui. Dans ce monde-là. Bon, on était dans ce monde-là. Nous, on aimerait bien en sortir. Mais l'autre, là, pour l'instant, il prend toute la place, il a les moyens et tout, donc il faut faire fi ça. Donc, on crée des réseaux parallèles, sympathiques, discrets. On se méfie, on teste un peu les gens quand même, on regarde ce qui se passe, on regarde s'ils sont efficaces, on regarde s'ils sont sincères, on regarde si ça tient debout. Et sinon, comme on le fait, on n'est pas caché, on le fait discrètement, mais on n'est pas caché. Légalement parlant, on fait de mal à personne, on respecte toutes les lois, même plus que ces lois sacrilèges dernières, même si celles-là, on ne les respecte pas par contre. Parce que c'est un crime quand même qui amènera tous ceux qui les respectent et qui les font respecter à Nuremberg 2.0. Hein. Et on pendra les uns avec les tripes des autres, hein, je vous le dis, moi. Et on les pèlera le jour comme... Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai réveillé. Ah, excuse-moi. Donc, bon courage, à plus tard. Salut.